tous ceux qui avaient faim de drama là, c'est pour moi. C'est pour moi ce soir, on récupère tout le monde. Bon, Firewatch, on est parti, on connaît pas du tout le jeu. On me l'a présenté comme étant quelque chose que je devais faire, que je devais avoir vécu. Tout Backseat sera banni définitivement dans le chat, bien évidemment, parce que avant tout, vous voulez mon bien et que je découvre le jeu, c'est ça qui est plaisant. Ça se passe à Boulder. Boulder, très petite ville du Colorado, 75. Belle année, belle année. Rien de plus à dire sur 75. Je vois Julia. Ok. Bonjour. Ah, je dois appuyer sur A, ok. Elle a à peu près votre âge. Elle approche de la trentaine. Elle rit avec des professeurs sur leur 31. Sur leur 31 des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder. Ah, sur leur 31, sur leurs habits, je suis con. Non, ça commence mal. Je vous mets mal dedans. Non, non, c'est un jeu en plus, il faut que vous soyez dedans, je vous mets mal dedans. Elle rit avec des professeurs sur leur tenue. Et des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder. Vous, Henri, êtes allé boire avec des amis. Vous vous approchez d'elle. Vous êtes éméché. Salut ! Je sais pas bien faire le bourré. Alors qu'est-ce que tu étudies ? Tu es très jolie. Ah oui, un petit qu'est-ce que tu étudies ? Chill, tu vois. Vous avez du mal à articuler. Vous souriez maladroitement. La biologie et l'évolution, répond-elle. Et je suis professeur ! Cool ! Répliquez-vous. Et toi, demande-t-elle ? Elle renifle doucement. La toxicologie. Oh, pas mal, on a un background. Tu te moquais de moi ? Demandez-vous. Elle répond que oui. Espérons ne pas vous avoir froissé. Elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger avec elle. Qui ? Quand ? Une semaine plus tard, vous êtes le petit... Ah oui ! Tu m'étonnes qu'il n'y avait pas besoin de Tinder à l'époque. Attends, c'est... Ah oui, d'accord, c'est... Ok. Ah oui, Firewatch, y a du temps à gérer, quoi. Les mecs n'avaient pas... Non, en termes de script, de scénario, il n'y avait pas beaucoup de budget. Du coup, ils se sont dit, tu m'écris 8 lignes, ça se pécho, on est le meilleur ami. Enfin, le petit copain, pardon. Je suis un ascenseur. Oh non ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Joue au clavier. C'est mieux le clavier ? Je veux vivre dans Firewatch direct. Manette. Manette, manette. Ah, manette. Clavier, c'est mieux. Non, mais c'est vrai que je vais peut-être vous mettre des à-coups. Pardon, excusez-moi, je devais ouvrir. Oh, attendez, attendez, parce que tout se passe bien. Clavier. Ok, clavier, claque, paramètres par défaut, sensibilité, ok, ça va le faire. Parfait. Ça, c'est un petit régal pour la VOD. D'accord. Je ramasse mon sac. Ok, donc je suis un full pompier, en fait. Je vais juste vous faire des petites commandes. Ça vous montre aussi, ce qui est quand même assez agréable, un peu le... voilà, ce qui se passe ici. Alors, on va mettre Z. Ça, je l'avais déjà fait. Mais je l'avais déjà fait, en plus, dans le dernier live, mais tout avait crash. Du coup, là on se refait tout, là. Mais c'est ça, voilà. Voilà la vie de streamer. Pas facile. Du coup, je vois aucun bouton A. Enfin, Q, pardon. Donc moi je veux Q, faites une autre sélection. Du coup je dois enlever Q quelque part. Ah c'est lire objet porté. Ça va être U. Et comme ça je peux mettre Q. Magnifique. On est dedans. On est dedans, on reprend. Je dois appuyer sur un étage. Oh non. Ok. Bon on va prendre notre camion. Bon juste ce qu'on sait c'est qu'on est Henri. On est petit ami de Julia. Et on aime bien sortir. Vous êtes ensemble depuis plus d'un an. Elle vous rend complètement dingue, c'est génial. Vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école, avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des pierres sur le... Des pierres, merde. Vous buvez des bières sur le ponton. Vous buvez de la bière où que vous soyez. C'est pas mal, belle vie, j'apprécie. C'est un jeu d'horreur, non, ça va. Julia a envie d'un chien, je l'apprécie aussi. Il y a un petit beagle... Oh, le petit beagle. Beagle. Le beagle. Oh, putain, PA, vas-y, je me reprends. Il y a un petit beagle un peu négligé, Julia l'adore. Elle veut l'amener dans sa classe. Il y a également un berger allemand un peu effrayant, mais au regard doux. Il n'arrivera rien à Julien en sortant un chat comme ça, il assure. Ah, je pense... elle n'a pas besoin de protection, Emma, déjà. On prend Bucket. Bucket est un bon chien, et au bout de quelques semaines, vous avez complètement oublié l'autre chien. Ah oui, c'est... Julien l'adore, vous aussi. Je bois Pierre. 79, 4 ans plus tard. Vous discutez sur le ponton, c'est l'été. 21h30 et le désert irradie encore de chaleur. Tu aimes les enfants, demande-t-elle. On va se retrouver avec des gosses, là. Les enfants, ils sont pas très futés, ils savent pas faire grand-chose. Je veux dire, et si toi et moi on en faisait, deux petits crétins. Probable, disque.
Ça fait combien de temps, 4 ans là? On a quel âge? Un jour, hein. Moi j'ai 25 piges un jour. Elle regarde au loin vers les montagnes. On a tout notre temps, pas vrai? Parlez pour vous, monsieur. Julia est ménopausée. Ça arrive à toutes les femmes. Toutes les femmes, et pas forcément que de plus de 40 ans. Parlez-en autour de vous. La ménopause. Je l'inquiète pas. Je la rassure. Je l'inquiète pas. Vous lui dites qu'elle peut encore se faire passer pour une étudiante. Mes ovaires ne sont pas au courant. D'accord, un jour, dit-elle. 6 mois plus tard, vous faites votre demande au lit un dimanche matin. Oh là. Gueule de bois, tu pues de la gueule. Tu vas te marier ? C'est propre. On a une belle vie. On a une belle vie. J'aime pas trop ce jeu. Y a pas de souci, mon ami. Nous allons vivre l'expérience. Alors. Bon, du coup, on est mariés. On est dans une forêt. Alors, on est dans la forêt de quoi ? De Two Forks. De Fourchette. Ah, on peut zoomer. Thunder Canyon. On est où, nous ? Petite boussole. Adjacent région. Y a pas un... Vous êtes ici, là ? Peut-être le point... Non, ça, c'est les... Ah ouais, non, sympa. Sympa, sympa. Do not forget to check in. No fireworks. Et je pense qu'il va y avoir peut-être un lien. Firewatch. Le feu. You're in the country. Oh, des ours. On va peut-être voir des ours. Not recommended for experience. Bon. Je prends rien, j'y vais. Je m'aventure. Je peux faire des trucs, je peux me voir. Oh, je vois mes pieds. Oh, je vois ma ceinture. Oh ouais. Oh, on dirait un scout. Pardon. Je suis un petit scout. Petit scout pompier. 1980, 5 ans plus tard. C'est jeudi soir et Julia a déjà 4 heures de retard. Elle n'a pas appelé. Vous vous inquiétez et sentez la colère monter. Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit. Elle n'est pas saoule, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps. Ah oui, on est jaloux, jaloux maladif. Bon, jaloux maladif, je m'énerve. Vous la traitez de garce égoïste. D'accord. Et vous dites d'aller vous faire elle vous dit d'aller vous faire foutre et d'arrêter de faire le bébé. Vous la traitez d'égoïste. Ah oui. Elle sait que vous le pensez et se sent blessée. Putain, tout va si vite. Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plantes de ses recherches. Elle dessine partout où vous voulez. Elle vous dessine aussi. Vous posez comme un mannequin chez Victoria Street. Vous posez et vous étirez comme Musclor. S'il vous plaît. Vous êtes magnifique. C'est gentil. Ça fait du bien à lire. C'est vrai. Dans ce monde de brutes. Oula. Solide. Solide, monsieur. Le jeu a l'air beau, hein, c'est prenant, hein, c'est sympa. Hein. Je peux zoomer partout, parfait. Je comprends pas le but. Bah vivre avec Julia. Faut revoir la lecture par contre. La lecture est très aléatoire ce soir, je suis désolé. Je suis levé à 7h du mat. Non, en fin de journée. Poste d'observation de Two Forks, encore 13 km. Ok, donc on doit aller là-bas. Barre espace, boum, aucun souci. Aucun problème. C'est franchi. C'est mignon, ça va me plaire, ça. L'été, Julia et vous adorez promener Bucket le soir. Il y a un festival en ville. Les gens viennent de très loin pour y participer. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. Bucket prend un coup de pied. Merde, foutu clébard, Julia crie. Elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée. Vous vous occupez de l'agresseur. Oh bah, je lui défonce le crâne. Vous vous coupez au bras, mais le type est réduit en bouillie. Vous ne vous sentez pas plus fort. Vous pleurez en attendant que la police arrive. Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour. Vous êtes d'accord, vous ne voulez plus repasser par là de toute manière. Je me suis rangé. Défoncé beaucoup de crânes dans ma vie. 1984, le projet d'enfant est repoussé par le travail. Julia se voit offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut. Yale, pas mal. 3500 km de là. C'est un poste génial, assistante du chef département. Elle veut déménager, vous pas du tout. Accepter si elle accepte de faire des allers-retours, la convaincre de refuser le poste. Ah, c'est difficile, hein. Parce qu'on n'a pas envie de... Il faut qu'elle s'épanouisse, quoi. Parce que si c'est pour avoir quelqu'un qui n'est pas épanoui avec toi, ça va se détériorer, et à un moment, elle aura de la rancœur. Hein. En même temps, la distance... Si elle va, je vais peut-être faire des allers-retours aussi, ou je suis une grosse merde. Genre juste, je veux pas bouger mon cul. Vous lui demandez si elle accepte de faire des allers-retours. Vous ne voulez pas aller dans le Connecticut. Elle dit que ça sera difficile, mais elle accepte car vous ne voulez pas déménager. Vous lui dites de ne pas manquer une telle opportunité. Elle accepte, elle rentre à Boulder 3 fois par semestre. Julia est renvoyée chez elle après une crise. Elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches.
Julia est stressée. Hein. Elle avait complètement oublié qu'elle lui avait prêté 2 jours auparavant. Ah oui, Julia va mal. On l'a retrouvée en train, oh loulou, en train de pleurer dans les escaliers. Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel. Ah bah direct comme ça. Ah, on prépare des petits macaronis et buvez du vin. Et le lendemain, on va peut-être parler du professionnel. Ça fonctionne. Vous regardez Dallas à la télé et vous endormez l'un contre l'autre sur le canapé. Oh, je suis heureux, Doma. C'est là que je veux être, moi. Je ramasse mon journal. Qu'est-ce qui se passe dans le journal? Oui? J'ai cru qu'il y avait marqué Clément. Non, pardon, je veux lire. Ah bah merde. Ça m'a perturbé. Il y avait un mec à poil, il y avait marqué Eman, mais genre pas loin de Clément. C'est U pour lire, merde. Bucket ne rajeunit pas. Ah oh oui, parce que c'était A, c'était Q. Bravo, merci. Ça, je vous aime. Bucket ne rajeunit pas. Julia est contente parce qu'il fait moins de bêtises autour de la maison. Une semaine plus tard, elle retourne à l'université. L'état de Julia se dégrade. Elle oublie des choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. Oh, elle a une maladie ? Certains jours, vous êtes confronté à la Julia qui vous trouve géniale. Elle traite vos enfants imaginaires de petits idiots. D'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. Oh, la bipolarité ou la schizophrénie. On l'identifie. J'appelle ma sœur. Elle s'y connaît. Elle vous traîne au lit pour faire l'amour. Au bout de 5 minutes, elle fait une crise de panique persuadée que son père est à la porte d'entrée. Vous en parlez à sa famille. Ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir. Son état empire. Ah oui, c'est la descente aux enfers là pour Julia. 88. Vous passez vos journées à suivre Julia tout autour de la maison. Vous comptez les secondes entre les 2 visites hebdomadaires de Daniel, l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs, dans un endroit avec une assistance médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Ah ouais, là, c'est dur, là. Vous décidez de la placer dans un établissement de soins à plein temps. Ah, putain, c'est dur ce moment. Parce que là, ça ferait genre 6 mois, quoi. 6-7 mois où elle est on va pleurer. Ah ouais, ça a l'air d'être prenant, quand même, hein, ce jeu. J'y réfléchis pendant quelques mois, mais... On continue un peu d'y croire. Il faut déménager, il faut faire un autre truc, il faut partir faire un tour du monde. Putain, et puis moi, c'est... Moi, tout d'un coup, je suis l'homme des bois, quoi. C'est-à-dire que quand je m'évade vraiment, quoi. On fait pas les choses à moitié, là. Putain, c'est beau, quand même, hein. Il m'a vu. J'arrive. Oh non. Je saute. C'est trop dur. Le pire, c'est quand vous énervez contre elle. Comme quand elle essaie de préparer ses repas. Vous ne pouvez rien faire sans elle et elle rien sans vous. Quand elle va se coucher, vous restez éveillé quelques heures. Vous buvez sur le ponton. Vous regardez le baseball l'été et le basket universitaire l'hiver. Et vous buvez. Oh, on va devenir alcoolique. Vous commencez à sortir une fois qu'elle est couchée. La première fois, vous avez peur qu'elle se réveille pendant votre absence. Vous placez une chaise devant la porte de la chambre. Vous vous dites qu'elle dort comme un loir. Oh. Oh. Bah, si je fais ça, elle peut avoir une crise de parano. Si elle est enfermée. Oh, je me justifierai. Je me justifierai. Vous êtes toujours dans le même bar déprimant sur Pearl Street. Vous vous y sentez bien. Peu à peu, vous vous confiez à Sheila qui tient le bar. Ça vous enlève un poids énorme. Vous êtes au lit chez vous à 1 heure quelques nuits par semaine. Vous attendez ces soirées avec anticipation. Ah ouais, on commence à se détacher là, parce que c'est trop dur. Un soir, on vous arrête pour conduire en état d'ivresse. Vous êtes positif et passez la nuit en cellule. Vous hésitez à le cacher, mais en parlez à votre belle-sœur Suzanne. Qui va en parler à Julia? Les parents de Julia prennent le prochain vol au départ de l'Australie. Ils sont affligés de voir dans quel état se trouve votre maison. C'est là qu'ils vous disent que Julia va venir habiter avec eux. Vous ne vous battez pas. Vous leur dites que vous viendrez bientôt la voir. Plusieurs semaines passent. L'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal. Ah, parce que tout ce temps, j'étais juste dans la forêt, je me balade à poil, quoi. Vous l'acceptez. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Julia? Julia? Reviens-nous! Premier cliffhanger. Qualité de streamer, de réussir à vous mettre dans un état de choc. C'est... Oh là là. Oh, je vais me dessiner un peu mon portrait ce soir avant de dormir, je pense. Ça va me faire du bien.
C'est rouge là-haut. J'ai sauvegardé. Ah, c'est beau quand même, hein. Je comprends quand c'est la merde dans la maison, tu te retournes vers la nature. Hein. C'est pas du tout mon cas, mais... Mais je comprends. Bon, c'est un petit poste d'observation, mais sympa quand même. Hein. T'as pas le réseau, mais tu peux te mettre un petit tel avec... petit PC, pomme de pin. On ramasse la pomme de pin. Oh, on peut examiner. Ok, donc on contrôle nos mains. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je dépose la pomme de pin ici. Voilà, c'était très important pour la suite. Alors, là juste, j'essaie juste de bien comprendre la mécanique de porte. Là, je suis bien. Ok, là, je suis super, j'ai la mécanique de porte, pour ceux qui se demandent. L'esprit singulier. On va faire un peu le tour, hein, pour voir. On a une petite bonbonne d'eau, un petit livre, de quoi dormir, des cartons. Un petit tiroir du bureau. On peut pas ouvrir. On va prendre la radio. Tout se passe bien. On peut rien faire avec la radio, juste on la prend. Elle est cassée. Ah bah je peux aider, hein. Il y a peut-être plus de... Ça passe dehors, ça me semble. Vieux poêle à bois. Ah, il y a encore une pomme de pin. Il y a des pommes de pin partout, dis donc. Je la mets dans le four. C'est U. Je peux pas lire. Je pose. Table carte, ok, parfait. Bon, comment on met le courant? Il n'y a pas de courant. Oh bah c'est juste là. Question, une réponse. Ça, c'est quand même dingue. Oh, elle me parle. Maintenir mâche gauche pour activer la radio. Allô? Pour sélectionner un dialogue, ok. Lâcher mâche gauche, ok, d'accord. C'est Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. Bonjour. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? Embrouille direct. That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing. T'as pas de douche, right, en fait, ici. You take a stab at what's wrong with me. Mais je viens d'accepter un job, laisse-moi tranquille. Sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Tu te rebelles contre ta mère? Hein? Quoi? Personne ne te... Hein? 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 Tu as tué 3 ex-maris? Moi, je vais lui dire ça. J'imagine ça. Je devais imaginer un peu ce qui fait qu'elle en est là dans son job, je crois. J'ai bon. Vous voulez un peu plus de son? Mais c'est quoi? C'est un date? Merci, Mathéo. Boum, on est accepté. Bon, du coup, ça a l'air d'être notre contact, qui a l'air d'en voir passer pas mal. On est un peu quand même en périphérie de la ville, hein. On a cru comprendre, on est un peu un ermite. Et du coup, j'imagine qu'on va surveiller. On a une machine à écrire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on répond à l'appel radio direct. Boum. Hop. Désolé, je crois que j'ai loupé le réveil. Hey, sorry, guess I slept in. C'est stylé, hein. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Il est 16h? Jesus, I guess it's what, 6? Non, il est... Là, on le voit. Oops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. Ah, cassé. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Faut pas tourner trop vite, hein. Ok. Je signale la table carte. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. Bon, c'est pour les incendies, alors comment on va faire? Elle a la tourette ou quoi? Are you seeing what I'm seeing? N pour utiliser la boussole. Are those fucking fireworks?
Ça là, le truc rouge? Ah, t'es dehors, putain, je suis trop con. Oh, ça va être du temps, ça. C'est là-bas. Ah, par contre, ça lag de ouf. Ah, mais ça refreeze. Tout va bien. C'est chiant, parce que là, je suis en compréhension du jeu. Parfois, je mets un peu de temps à comprendre. Je vous le dis. Ah non, du coup, faut juste aller comme ça. Bah, je vois rien, moi. Là, je suis au nord. Je vois rien. Ah si, là, oui, si. Ok, c'est bon. J'ai vu les feux d'artifice, c'était étrange. Ça met du temps au début. Putain, on doit aller là-bas, ok. C'est-à-dire que je peux leur mettre une raclée? Non, une petite amende. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, mais là, il peut y avoir... Ah, par contre, chaque fois qu'il y a... Tu auras besoin d'une corde, trouver la corde dans la boîte du service des forêts. 1, 2, 3, 4. C'est quoi la boîte... Pratique. Boîte à outils. C'est où la boîte de... Provision. Mais c'est en bas, faut que je descende, je pense, non? Ah voilà, c'est bon, en fait le sac, ça te le prend automatiquement. Ok, je pense que c'est en bas. Je peux pas courir, ok. Et là, il y a les bonbonnes. Ah, c'est peut-être la motion blur qui fait que ça bug. Parce que j'avoue que ça nous met un truc un peu chelou. Plein écran, vessie... Attendez, je vais vous désactiver 2-3 trucs. Ouais, mais en même temps, on a envie que ça soit beau, hein. Flou cinétique. C'est le flou cinétique, je crois, qui est chiant. Ton PC est vraiment pas ouf. Mon PC est assez incroyable, normalement, donc... peut-être la V-Sync. Je sais pas. On va faire comme ça pour l'instant. Normalement, c'est tout l'intérêt d'avoir un double PC, quoi. Ok, donc on prend la corde et on y va. On y va. Bon, ça a l'air sympa, hein. Non mais désolé, mais mettez pas la pression. Au début, je découvre le jeu, c'est clic droit, c'est tout ça. M. Trouver la corde. Oh putain, je vais devoir me déplacer comme ça. Oh, vous allez me détester. Alors, la corde, elle est où la corde? Trouver la corde dans la boîte du service des forêts 306. 307, 306. Faut que j'aille là-bas. Ah non, parce que mon point indique toujours la direction de... Bah, faut que j'aille à l'ouest, du coup. Faut que j'aille au nord-ouest. Ah oui, ok, j'avais pas compris, je pensais qu'il y avait une direction. Faut que j'aille un peu au nord-ouest, voire ouest. 1, 2, 3, 4, le code. Je marche plus vite sans la carte? Oh ouais. Oh ouais. On n'est pas arrivé, je sens. Oh bah, regardez comment on avance. Ah, toute berzingue, là. Je suis dans la bonne direction. Qui sont un peu faciles pour moi, ce jeu. C'est 306 ou 307? 306, hein. Il y a marqué en haut, il n'y a aucune panique. Non, on est plutôt à l'aise, hein. On voit d'ailleurs un obstacle juste ici. En bon routier. On va le contourner intégralement. On n'a pas envie d'aller se blesser sur une intervention. Tu peux courir. Ah, bah ça, c'est une information intéressante, parce que c'est vrai que... Course. Pas à gauche, pas à droite. Activer, désactiver, course. Ok, c'est R. Parfait, ok, c'est là la boîte. Super, merci. Streamer Pro. C'est que le début. Pomme de pain, ils en foutent partout, hein. Barre chocolatée. Oh bah je me prends une petite barre chocolatée. S'occuper de ceux qui ont allumé les feux d'artifice. Mais pourquoi la corde? Je prends la barre chocolatée, on sait jamais. Je la mange. Je sais pas. J'aime bien, moi, les barres chocolatées. C'est sympa. Descendre la pente. Pour les pendre. Bon alors, attendez, on va où? On avait vu que c'était à l'ouest. Du coup, ça va être là, quoi. C'est Lac Freight. Moi, je pense qu'elle est au lac, quoi. La carte dans la boîte. Il y a une carte?
Oh, j'ai failli me perdre. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Cache 306. Too generously. Hey man. Guy couldn't take it, so I locked up his lockout and put some stuff in the box. Found one of those bars you liked. King is a punk, but let's get fucked up when I'm back. Ok. Et on peut copier toutes les infos sur notre carte du coup. Ok, parfait. Ça c'est bien ça. Je peux prendre le message. Ok, donc en fait on peut tout prendre. C'est parfait. Je vais le garder. On sait jamais. Et je me prends la petite pomme de pain. Ok, donc du coup là on a le premier message de Dave. On peut le lire genre de dos? Non. Ok. Parfait. Tu fermes pas ta boîte. Oh, c'est vrai? Faut que je fasse ça? Ah non, on est pas dans GTA RP là. Alors moi je vais où moi? Je la dépose là-bas. Bon, c'était un peu décevant. Mais c'était quand même bien. Ok, donc faut juste que je longe ce chemin. Il y avait deux chemins pour y aller, j'ai pris le rallongement. On y va. On est parti. Merci à ceux qui sub les potes pour un contenu de qualité avec un streamer qui comprend vite, efficacement les choses. Je sais que ça vous plaît. Je suis totalement dans la bonne direction. Là. Ah, je me rapproche des bruits. J'entends les bruits, c'est là-bas. J'entends la fumée. Enfin, je la sens plutôt. Arrêtez-vous ! Fastlander. J'ai l'impression qu'il m'en tirait dessus. Il me tire dessus. Ils sont là-bas. Je suis sur une pierre maudite. Oh, l'aventure qu'on a vécue déjà. Ouf. Point d'attache. Ok, faut mettre la corde. Oh, l'aventure. Putain, un beau rappel quand même. Hein. Allez, on y va. Comment je fais? Ok, faut juste descendre de manière classique. Ah, c'est sympa, hein. En vrai, c'est assez simple. C'est moi? J'ai choke? Zo? J'ai appuyé sur un mauvais bouton? J'ai cru que... Oh non, j'ai tout cassé? Signaler incident. Hey. Delilah, je suis une merde. My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? Oh, c'est gentil, elle prend soin de moi. Well, be careful, for Christ's sake. Je les vois pas pour l'instant, Dalila. Je les vois. Il y a une bière. Maybe keep heading west toward the lake. West, ok. Ah ouais, je commence à repérer des trucs là. Canette de bière, moi, c'est pour une petite bière quand même. Non, je nettoie là. Est-ce que je vous ai parlé de mon engagement pour la planète? Bon, écoutez, en garde forestier, j'ai décidé de le faire. Pas spécialement pour moi, mais pour ma mère, qui est née dans une forêt. Et j'ai eu envie de toutes les nettoyer. Bon, c'est quand qu'on casse des têtes là sur les petits délinquants là? Oh, y a plein de trucs. 5 ados. Oh, j'aurais bien fouillé. Feu de camp, faut peut-être éteindre, non? Ah oui. C'est éteint? J'éteins de l'autre côté. Oh, j'éteins de tous les côtés. Pff. Oh, le roleplay. Whisky. Oh, shit. Ferret or Irish. Bon, je le garde pour plus tard. Mais en fait, je suis en train de les voler. Ah bah, ils ont des feux d'artifice. Peut-être que je les examine. Ah, c'est de la qualité de merde, ça. Je me souviens, je les avais achetés. Bon, je nettoie un peu tout ça. Excusez-moi, hein, moi je clean. Hein. Faut que je dise un truc pendant ce temps? Non, c'est bon. Mais ils sont tous à poil ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des petites fleurs. Ah oui, d'accord. On est sur une orgie, là. J'examine, hein, pour le taf. Ah. Bon. Soutien-gorge, blanc. Plutôt bon choix. Culotte.
un peu old. On n'est pas ravi par ça. On fait avec. Culotte. Elles ont 12 ans. Quoi, c'est des mages d'en haut ou quoi là? Salut! Ils sont full foncés. Chaque vous tirez. Les feux d'artifice sont interdits! Tu devrais bouffer un peu moins? Oui! Allô, je veux venir vers vous. J'ai pris toutes vos affaires. Vous ne savez rien sur moi. Ça fait combien de temps? Oh mais là ça fait bizarre si je leur dis que j'ai pris toutes leurs affaires. Mais regarde-les pas, c'est impoli. Excuse-moi, je suis en arrestation. Bah excusez-moi, je travaille ici. Vous allez mettre le feu à ma... Qu'est-ce que vous foutez, vos affaires sont par là. Vous êtes abruti? Je vais leur prendre leur fringue. T'as radio de merde, là. Tiens, je la casse. Je marche dessus. Je la mets dans l'eau. Non, je suis pas là, attends, je suis en mission. Oh non. Ah mais j'aurais dû juste faire ça. Tiens. Je vais m'électrocuter, je suis trop con. Alors. Ouais, du coup. Il y a une chance que ces filles attrapent une maladie dans le lac. Je me suis pris pour un infirmier ou quoi là? Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. Hmm. That's too bad. Je pars par un autre chemin, là. Oh, c'est bien, on découvre. Oh, on longe le petit rivière. Oh, l'aventurier. Oh, les défis au quotidien, quoi. Ramasse les canettes et jette les radios dans le lac. Non, alors la radio, c'était une radio biodégradable. Si jamais vous avez pas vu. Il y avait un petit logo sur le côté. Mon œil expert a pu le dénicher. C'est parce que j'ai un œil expert. Oh, je passe à travers les fourrés et tout, là, ça y est, je suis... C'est ma maison, la nature, là. Clac, clac, clac. Oh, j'aurais été chaud de leur voler leur fringue. Elles m'ont vraiment parlé comme si j'étais un bouseux, quoi. Oh, je peux le cacher? Oh non. Trop deg. J'aurais dû leur prendre leurs affaires, j'aurais dû leur dire. J'ai pris toutes vos affaires. Oh, je peux rien faire. Un sac à dos, au moins. Bon. Donc là, je dois retourner. Merde. Je dois retourner, donc, du coup, regagner le poste d'observation de Two Forks. Oh bah, ça va, on en vient. Signaler prairie. Peut-être pas signaler la prairie. Ah si, il faut peut-être que je lui parle. Faut que je prenne un J'ai plus la corde. Par où je peux passer? Parce que là, j'ai fait du rappel, je crois. Faut que je passe tout en bas. Ok, faut que je passe tout en bas. Ok. Ah bah je peux lui demander. Ah bah merde. Je peux plus. Ça m'a coupé le truc. C'est pas grave, je crois que je sais. Ok, faut que... Ah ouais, mais j'ai plus la... Ah là, je vais me péter une jambe, là. En fait, j'ai plus la corde. Donc du coup... J'ai capté les potes, hein, que je devais lui parler à chaque fois. J'ai dû en louper quelques-unes, excusez-moi. Parce que ça a cassé aussi, donc... Va falloir lui spammer. Non, tranquille, je découvre un jeu, les gars, en fait, tu vois. C'est-à-dire que je découvre un jeu, tout se passe bien pour l'instant. On a passé quoi? On a passé une demi-heure sur le jeu. Ça se passe, hein. Je sais pas vous. Vous avez l'air d'être pressé. Moi, j'ai tout mon temps.
Parce que là, du coup, si je suis bloqué ici... Ah, va falloir qu'elle me dise, va falloir que je fasse tout le grand tour. Moi, j'essaye d'y aller solo, mais... On va se retaper une petite... Ah, ça, par contre, on peut pas descendre une fois qu'on est sur ce genre de truc. Ah, moi, je découvre la forêt, hein. Je suis en expédition, là. Et boum! Pas du tout. Un petit soleil. Est-ce qu'on peut grimper un peu ce genre de choses? Ah ouais, non. C'est vrai que je suis vraiment le pervers. Je suis... Bon, on va aller juste aller, vas-y. Je vais regarder la prairie. T'as pas un truc à me dire, Dalila, là? Je serais ultra chaud. Parce que je suis là. Ah, faut que je remonte par le lac, que je passe par Thunder Canyon, que je passe par le cache 303, et que je fasse une intégrale. J'ai pas mis les bons boutons. Je suis encore bloqué sur un caillou. Oh, ça va être tout mon jeu, ça. Oh, je vais être infâme à regarder sur ce jeu. Oh, j'aime trop. Oui. Yes. Yes, yes, yes. Ah, là. Vas-y, parle-moi. Bon, j'ai voulu la jouer solo, je suis désolé, je suis une merde. Voulu me prendre pour un mec solide. Ouais, c'est ce que je me disais. Si merde, Alila, je... Non, encore une fois, je me suis dit que je prenais les choses en main, alors qu'au final... Qui suis-je? J'ai éteint le feu, au moins. T'es encore là, les filles? Youhou! Oh, je suis de retour, juste, je suis perdu. C'est pas contre vous. Alors, bien sûr... On va suivre à la lettre le nord qui est juste par là. Boum. Mais là, il me disait un truc aussi. Mais là, j'étais bloqué aussi. C'est un complot. Je suis bloqué partout. Ah, faut peut-être que je longe là-bas, en fait. Carrément que je prenne le nord-nord. Oh bon, on va jamais se retrouver. J'étais passé par là. J'avais vite fait demi-tour, je crois. Ah non, on voit des nouveaux trucs, là. Hop, 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 magnifique. Magnifique. Là, c'est autre chose, là. Boum. Exploration. Alors que je repasse de l'autre côté, là. Oh, le saut va être difficile. J'ai une épreuve d'orientation. J'étais très fort en course d'orientation. Je sais pas si vous aviez ça, vous aussi, au... C'était au collège, hein, je crois. Merde, pardon. Au collège, on avait ça, les courses d'orientation et tout. C'était un peu chiant avec les balises et tout, là. Ouais. What is it? Dis-moi. I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Attends, j'escalade et je te réponds. C'est pas grand-chose. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ça marche. Je vais courir un peu. Ils sont du jeu un peu faible. Putain, mais pourtant il est hyper fort chez moi. Et après, vous me dites que les arbres ne poussent pas sur les cailloux quand je joue à Planet Zoo et que je fais des trucs pas naturels. Alors que dans Firewatch. Oula, va falloir la passer. Hein. Oh, il y a du tonnerre et tout. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Mais elle est dans une tour de contrôle gigantesque. It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. J'ai été frappé par la foudre. Je raconte des anecdotes de merde. I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Je me renseigne. Défendeur frontière, c'est beau. Une corne? Je la laisse, hein.
Oh merde. Oh bah non. Bien vu ça. Lampe torche. Aïe. Ça je prends ça. Parfait, j'ai une lampe torche. Je ferme. Ah, y'a pas besoin de... Ça aurait été peut-être pas mal. Grotte. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, je passe dedans. So, I say fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Hello? Je passe par au-dessus. Mais vous m'avez dit, avant même que j'allume la lampe, qu'il y avait la lampe. C'est ça le backseat, hein, pour ceux qui comprennent pas. C'est quand je prends une lampe, je vais comprendre assez vite. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu un abruti sur ce genre de jeu. Mais pas un total. Attendez que j'en ai besoin. There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Qu'est-ce qu'il fait? Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? It's... outside. C'est marrant. Attendez, je vais mettre totalement sur la droite si vous voulez. Comme ça, peut-être que je peux vous permettre de lire tous les dialogues. Parce que peut-être que je vous gêne un peu. Et attendez, je fais juste une petite pause, une minute. Un truc important. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Non, parce que je dois prendre soin de la forêt, mais y a ma copine qui est malade et ça, je dois prendre soin d'elle aussi. Alors, on était en train de découvrir une forêt. Fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse. Et y a le mec qui nous fixait d'ici. On vole tes chaussures. Bande de con. Le mec était clairement en situation de flash dans ma gueule. On va continuer à monter. Oh, je passe pas où là. On va se la jouer safe, hein. Petit check de map. Je suis où, là? Holy shit. C'est moi, là? Ah, faut que j'aille au sud. Oh, mais je vais escalader par là, ça va plus vite. On va voir si je suis un athlète ou pas. Parfait. Oh, on prend des risques, hein. Oh là là. Si, il est chaud, quand même, hein. C'est vrai que jamais j'aurais pris ce chemin naturellement. Oh, en plus, ça continue. Oh, jamais j'aurais fait ça naturellement. J'aurais toujours pris le chemin le plus safe. Ouais, lui, il se tape des déterres. Monsieur Muscle 2012, là. Non, non, c'est pas un jeu, je crois, qui fait trop peur. Juste, c'est un jeu qui te met dans une ambiance. Et pour l'instant, c'est assez... Ah, tu en serais arrivé là. Pff, le gain de temps. Ça, je le fais pour le temps qu'on a perdu. Ce que je vous rappelle, c'est un speedrun.
On active d'ailleurs le chrono. Pour l'instant, 45 minutes. On n'a pas passé la première phase. Certains l'ont fait en 3 minutes 30. Mais je lâche pas. La combativité, ça rapporte toujours. Naka, merci pour le 26e mois. Merci aussi, Rachou, pour le 2e. Panneau de sentier fermé. Ah, tu m'étonnes, le gars est à bout de souffle. Hein. Ouf. Pourquoi ça me... C'est pas immersif à ce point, quand même, ça m'a fait peur. Je peux pas le remettre, en plus. Oui, ça m'a surpris. Je remets tout ça. Planche en bois. Edgar au feu. Mais c'est quoi, y'a des abeilles ou... Attends, je peux ramasser... En fait, examiner, ça fait quoi? On s'en fout, non, d'examiner. Ok, elle me dit pas grand-chose, Julia. Elle me dit pas grand-chose. Bon, on est au poste, hein. Ça s'est bien passé, cette première sortie. Quelqu'un est venu? Oh, l'enfoiré! Il m'a volé? Quoi? Qu'est-ce que ça a fait, là? Je vais juste regarder par... là. Il m'a volé! Ah, ok, d'accord, c'est à des endroits, faut viser pile l'endroit, ok. Mais frère, tu voles un... Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Oh, c'est trop chiant. Et là, je dois me faire l'intégrale de... du nettoyage? Je saccade, c'est bizarre. Là, je suis en full nettoyage, là. Pourquoi je suis en full saccade, là? C'est bizarre. Je fais tourner tous les jeux en full ultra, et là, lui... lui, il me résiste. La petite V5, là. Ah, super, ça a bien marché. Sur du Intel. Ouais, sur du Intel. Bah, le mec, le type dans le canyon, quoi. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. Je me fie des ours et des incendies, c'est à peu près tout, mais je dois aussi m'inquiéter d'un randonneur. Now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Ah, dealer, dealer. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who... Ah, je peux pas le ramasser là. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. Mettre ça là. Pas très rangement, lui. I need you to feel safe out here. Dis-moi juste où trouver un pistolet. Ouais, du coup, j'ai plus d'électricité. Bon, je fais. Oh, jour 2. Les petits saccadés, c'est chiant. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais le jeu a failli crash deux fois, c'est bizarre. Pourquoi normalement je fais tout tourner? Ah, tu vois, c'est très bizarre ça. Tellement on joue à Planet Zoo en full ultra avec 70 000 animaux et je sais pas combien de visiteurs. C'est combien de jours dure le jeu? Non, mais je crois que ça dure à peu près 4 heures l'expérience. Le jeu est mal opti juste. Ah ouais? Ok. Jeu mal opti, pour moi c'était clean. Ouais, je sais pas. Ah, peut-être fenêtré, ouais. Peut-être fenêtré qui pourrait aider. C'est le jeu, c'est pas ton PC. Après, c'est pas si chiant. C'est les meufs du lac, elles ont ruiné tes RTX. Juste, faudrait que ça revienne, quoi. C'est un accès anticipé. Oh non, le jeu est vraiment vieux. Juste, on m'a conseillé de le prendre, quoi. Fenêtré, c'est peut-être pas mal, ouais. C'est chiant. Je suis en situation de c'est un peu chiant là.
Je fais les 4 heures d'une traite. Ouais, c'est l'idée de... Plus je peux pas passer. C'est peut-être le PC. Bah, c'est très chelou quand même. En plus, tu peux rien mettre devant, quoi. Oh, c'est con, parce que c'est bien, ça me plaisait, on est dedans, pourquoi ça fait ça? En fait, je peux même pas contrôler le gestionnaire. Toi, je peux même pas avoir accès. C'est le PC. Oh, ça m'étonnerait quand même. Les deux fois où je viens, ça crash. C'est toi, en fait. Bah, sinon, je vais fermer, hein, mais tout à l'heure, ça avait réussi à revenir. Ça save ou pas, du coup? Contrôle, shift, échappe. Là, je suis à fond dedans. Ça a save, là, au pire. C'est très chelou, quand même. Ouais, même s'il est sur le C, il y a quand même pas mal de place et tout. J'aurais dû l'installer sur l'autre, mais... C'est peut-être parce qu'en fait, il se lançait pas, et du coup, c'est le previous build. C'est déjà mon futur achat. Bon, allez, là. On se met en fenêtré. On arrête de... On n'a pas envie de se casser dans le truc, là. Ce qu'il nous fait, Richard, là. Bon, merde. Et c'est une douille qui passe, ça, de se mettre en pas fenêtré pour faire halte entrée. Comment regagner le poste d'observation de Two Forks? Ah, du coup, je m'en refais l'intégrale. Oui, oui, oui. Ah, ça marche. Ok. Ah, j'ai rien signalé, ok. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell you should get inside. Quoi? Ah, ça a tout fait bugger. Someone broke in. Bon, on se retape les dialogues en accéléré. Ça a l'air de moins laguer, n'empêche. Ah, mais tu peux le refaire deux fois de suite? Oh là là. Ça, je peux plus le ramasser, ça, du coup. Le livre. Ouais, en termes d'opti, c'est un peu particulier, quand même. Ah si, ça a full lag. Dommage. Okay, I put in a call. That was fast. Yeah, well, do you have any idea who could have done this? Moi, je pense c'est le type du... Je pense c'est le mec du canyon, moi. I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Okay. Thanks. I need you to feel safe out here. Bah ouais, j'aimerais bien ma gueule, mais Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy. J'ai voulu casser. Ok, jour 2. Me fais pas crash à nouveau, frérot. J'ai envie de donner beaucoup d'espoir en toi. Le chargement a l'air fluide derrière moi, c'est bon. Ah, c'est dommage, ça nous a sorti un peu du truc, là. Oh non, me fais pas ça, s'il te plaît. Ah, il est bien, le jeu, qu'est-ce qui se passe? Wake up. Je suis là, ma gueule. Qu'est-ce que t'as à me dire? Hey, wake up. Je suis debout, je suis debout. On va peut-être la réparer, cette horloge. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Va falloir que j'aille réparer tout ça. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Vérifier le portion de câble qui passe dans ton secteur et signaler s'il est endommagé. Okay, I can do that. Where is it? Inspecter les lignes de télécommunication au nord. Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out.
Merde, elle m'a dit quoi? Oh putain, faut pas louper un... J'ai voulu aller plus vite en... Ouais, c'est plus... Hank, ça veut dire mon petit en... Oh la tradate. Atypique. Ok. Je dois se taper donc un petit tour dans la grotte. Et ensuite je continue au nord. Ok, petite accélération, pourquoi pas. On apprécie. Y'a pas le mec chelou là qui est encore là d'ailleurs? Ah non, ça c'était ça. Alors, où est-ce qu'on va mes petits potes? Du coup, la grotte est au nord. Donc nous... On va au nord. Boum boum boum. Le nord c'est par là? J'ai l'impression qu'on est de l'autre côté tout à l'heure. Ouais, si, si, mais j'ai l'impression qu'on venait de l'autre côté. Ouais, on se repère difficilement, mais... Oh, mais ça va être difficile de descendre. Ah, il peut descendre comme ça? Oh! Quoi? Ah ouais, d'accord. Oh, bah trop bien. Le mec... Ouais, après, c'est des sauts faisables, mais bon... Si, c'est des sauts faisables, quand même. Juste, tu descends sur des petites pentes, quoi. Ok, je continue. On va se la jouer quand même à faire le tour en mode comme si je l'avais fait normalement. Ok, on est de retour. On était tout à l'heure. Je me... Il n'y a pas de modo. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'avais kiffé le faire de ouf. Coucou mon Root. Root Swain là dans le chat que vous voyez, celui qui a fait le jingle des actus de PA. Pourquoi il y a autant de brume? Oh, le petit shortcut. Ok, pas de shortcut. On a bien compris. On n'est pas dans Lonely Mountains. C'est le jeu de descente en VTT. Sans le VTT, ça m'a grave fait penser à ça. Putain, c'est brumeux, hein. Je dois signaler la brume. Oh, mais je suis vraiment le gars, quoi. Je vais parler de mon chien. Ouais. Ouais, d'accord que ça trompe. Quoi? Okay, good. J'écoute. Quoi? I'm absolutely sure. Je dois aller au noir. Would you? Mais elle est en train de me mentir. All right. I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Mais elle me ment. Et ensuite tu refais genre tu fais de la discussion. Oh, est-ce que je lui dis que je sais? Parce que j'ai pas envie de lui parler de Julia. Julia. Non, non, mais j'ai juste avancé un peu. Juste, je réfléchissais en avançant parce que je marche. Mais... Allô? Tu me reçois ici? Tends le bras. J'ai mis trop de temps. Ah, il y a du temps, putain, faut aller vite, ok, d'accord. C'est propre? Propre de ouf. Je dois aller où, là, du coup? On se souvient? De toute façon, j'ai pas de corde, donc j'imagine que je suis le chemin. Hein. Ouais, je vais jusque là-bas, je vais au... Ah, au nord du canyon. Télécommunication. Inspecter les communications au nord du canyon. Vous les verriez où? Y'a pas les petits... Oh, j'imagine que c'est ça, et au niveau du... Ah bah si, c'est ça, la petite ligne de télé. Bah on y est presque. Oh bah super, cette balade. Là, on est bien, là. T'as un temps. Ok. Bah c'est pas plus mal, en vrai, de pas avoir répondu. Parce que du coup, j'ai l'info. Je lui ai pas posé la question. Donc je la suspecte. Et en même temps... Putain, y a quand même beaucoup de brume, hein. Et en même temps, je lui raconte pas toute ma life. Donc je trouve ça pas plus mal. Ah bah les lignes sont là. Voilà, je suis juste un bon employé, mais je sais les choses.
Suis-le jusqu'au bout du chemin. Ok. Voilà un bon joueur de poker, Domi, il cache ses cartes. Oh bah, vous avez pu le voir, hein. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Est-ce qu'elle est où? Elle est au poste de contrôle, mais... Qu'est-ce que ça dit, ça? Oh. Oh non. Non, non. Ah, merci. Alors du coup, 300 mètres devant, 8,5 km. Un petit poste d'observation. Il y avait pas un petit... Ah ouais, là on est curieux, qu'est-ce que c'est que ça là? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but you know. Je te dis tout. Je te dis tout, Delilah. I'm in the right area. I do believe the comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point and if it's not damaged. Ah, il faut que j'aille jusque là-bas. Si c'est pas endommagé, je reviens à la maison. Ah là, je crois que ça va. Hein. Je joue à quoi? À Firewatch, mon ami. Qui est un jeu un peu narratif, en immersion, qui est très sympa pour l'instant. On en est au début et qui dure environ 4 heures. Donc on va le faire, je pense, en intégralité aujourd'hui. Oh, il y a un petit... Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot. J'ai envie de monter là, moi. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. J'ai envie de passer au poste d'observation. Je passais le chemin le. Bah si, c'est bien en plus. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Could find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. À côté du point 302. I'll go see what the damage is. Ouais, et là, il doit y avoir des infos là-dedans. J'imagine qu'on est sur un petit 1, 2, 3, 4. Sobre, efficace. Classique. Ni plus ni moins. Ah, il y a d'autres infos là, du coup. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent là sur ces arbres? Ah, on a déjà qu'en français, on n'est pas top, mais alors là, en anglais... Qu'est-ce que ça dit que ça, là? Qu'est-ce que ça dit que ça? Dave, salut, j'ai eu ton message qui disait que tu voulais parler. Pardon de ne pas t'avoir relancé. Je t'ai cherché toute la journée. Je pensais que tu serais près du canyon en train d'aider les étudiants, mais on dirait que non. Je ne sais pas trop comment t'aider de toute manière. On est collègues, tu sais. Des amigos professionnels. Si t'as besoin de compagnie pour t'envoyer des bières et refaire le monde, Ron est toujours là. Mais je suis pas très doué avec les choses graves. Enfin, on se comprend. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Okay. Comment je fais pour monter, là? Est-ce que je passe par tout là-bas? On va essayer par là. On se balade. Oh, une petite tortue! Mais elle est morte? Oh! C'est mignon. Tiens. Oh, je l'adopte! Oh, mais je la fous dans le sac si je l'adopte? Oh, c'est pas ouf! Pas fou, ça. Genre, en termes de bonheur, là, de vivre dans une poche. Bon, là, ça m'a l'air bien mort. Sauf si triple escalade. Non, pas d'escalade. Bon, au moins, on a eu notre petit truc. On a eu les infos, quoi. À recycler comme les canettes. C'est une tortille boîte. Non, non, je pouvais pas parler, j'ai essayé, mais je peux pas. Je sors le truc. Ah, peut-être pour la tortue, ouais. Peut-être pour la tortue. Après, de temps en temps, moi, j'aurais pas parlé. Hein. Il y avait une icône de dialogue sur la tortue. Moi, ouais, je trouve que vous faites beaucoup confiance à quelqu'un qui pour l'instant, nous a caché des trucs. Hein. Et c'est un peu louche. Et je vous rappelle que je suis en sortie de rupture. Une vie pas facile, toujours l'anneau. On est marié à Julia, même si c'est la crise.
Et vous voulez que je dise tout à une inconnue qui m'a caché quelque chose. Hop, 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 petite canette. Je peux pas. Ah, c'est con. Elle est faite. Elle est dedans. C'est quoi le jeu? Bah en fait, c'est de l'aventure, c'est de l'immersion. On est un garde forestier. Et il se passe quelque chose, et pour l'instant, on découvre. On a des missions un peu chaque jour. On nettoie un peu. Ah mais non, je pense pas. Ah bon? Jamais j'aurais fait ça. Jamais. Go to hell. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Jamais. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut. Ouais, avec le go to hell, il y a quelque chose quoi. Through, and there's a bunch of beer cans out here. The same beer those girls were drinking. They also left us a message. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? Elles ont coupé le câble. God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? Tu les tues. I haven't thought that far ahead. That's not true. Non. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Faut que je leur fasse peur. Je sais faire. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I'm gonna need a raise. Don't hold your breath. C'est marrant, j'aime bien leurs interactions. Ok, faut que je retourne à mon poste et tout ce qui est chelou. Est-ce que je passe par là? Il y a des petites canettes, on va ramasser les canettes. On va suivre les canettes de toute façon. Elles ont une bonne descente hein, quand même. Ah, les ados, c'était mieux quand c'était devant One Direction. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai développé une passion. Alors, très récente, très courte, très furtive, pour Harry Styles. J'ai vu une vidéo avec... où genre il host le truc de James Corden. J'étais en mode, si, bien joué, félicitations. Et il fait un truc avec Kendall Jenner, pas mal, pas mal. Harry Styles, c'était le mec des One Direction, là. Attends, mais du coup, je dois tout redescendre, là? Mais je suis en train d'aller au nord, moi, là. Et trouver les ados. Est-ce que je redescendrai pas par là, puis par le cache, et je repasse là? Oui, on voit, ils sont sortis ensemble. Non, je sais pas, je suis tombé sur cette vidéo. Je suis en mode, ah, sympa. Ou alors, sinon, je redescends tout. Je vais continuer à suivre les canettes, moi, je pense. Elles sont les canettes. Est-ce que la canette nous menait à gauche? Là, il y avait une canette. Elle va savoir, elle mène là, la canette. Il y a de la canette, là? On va se sentir bloqué, quoi qu'il arrive. C'est con, parce qu'on aurait pu. Permets-moi de te juger. Non, non, mais pas une passion. Non, mais du coup, je suis allé voir les vidéos des One Direction de ce qu'ils donnaient maintenant. Genre, chacun. Parce que c'est vrai que c'était un truc où, bon, j'ai pas été fan des One Direction à l'époque du tout. Faut jamais écouter, en vrai. Longue chute. Vas-y, on tente la longue chute. Ouais, il tangue bien, hein. On a plus trop de canettes, là. Provision de la région nord. Et en fait, ils sont tous partis en solo faire des sons. Oh, mais là, il y a une autre... Mais j'attendais, parce que là, je vous raconte la vidéo One Direction, mais moi, je suis à la croisée des mondes, là. À savoir, ils sont au supply drop. Peut-être qu'ils sont partis au supply drop. Et je vois plus aucune canette. Est-ce que je dois me retourner? Déjà, on va prendre un peu de paysage. Ah, oh, ça vous bouche un coin. Forêt de pin. De sapin. Oh non, pas le caillou. Pas le caillou maudit. Moi, je serais grave venu là, à leur place. Elles sont trop connes. Ah, une boîte à matériel.
Ah trop bien, on ouvre des trucs peut-être qui nous serviront après et tout. On fait le jeu à l'envers. Sympa. Ah, dès qu'il y a une ouverture d'un truc, c'est... c'est galère. Parce que là, on va où, nous? Bon, au moins, on va tout en haut, on va voir. On va voir ce qu'il y a au bout du monde. Oh bah, je serais tellement venu là. Bon bah voilà. On est allé au bout du monde. Très sympa, cette expédition. Sachez, messieurs, dames, qu'elles sont pas là. Mais déjà, la traque a commencé. Ah bah non, parce qu'elles pourraient partir là-haut, carrément. Oh bah, je continue à les traquer. Oh, j'aurais fait ça, moi. Le meilleur point de vue, le plus haut. Tu te poses. Par contre, je pense que tu prends full vent, mais... une tyrolienne. Incroyable. Et elle peut pas me donner d'infos, là Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that's... J'y vais à la main. That is how you get to my sector. Ah, t'es là-bas, toi? No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Okay. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh God, it's an emergency! C'est un gamin. C'est un gamin. Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? The Rockies? Yes. Holy moly! I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological possibility. C'est marrant, il se troll en garde forestier. C'est drôle. Elle rentre deep dans la blague quand même. Hein. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. Non, non, mais au moins tu suis les délires, j'aime bien. Man. C'est agréable. Firewatcher's shit. Ah! Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a un bug. Hein. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Oh, il y a d'autres photos dedans. C'est quoi ça? Oh, j'ai une corde. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, une petite canette là? Pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Quand je prends une bonne photo. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Alors, je vais cacher les petits poteaux. Anyway, yeah, Brian Goodwin. Pff, c'est bon. Ah, j'ai la photo, j'ai la photo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a tout dessus. Magnifique lumière. Bon, je continue ma vie et j'avance, quoi. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. J'ai fait une bête de photo. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Bah. Me dis pas que... Ah. Ok, on a l'autre bout de corde. Tout va bien. Un peu chiant les petits freeze, hein, je suis désolé. Mais je pense que c'est le jeu, parce qu'honnêtement... Je stream tout sans souci. Enfin, les soucis ont été corrigés, c'était l'autre PC donc. M'étonnerait. J'ai rien à lui dire là-dessus. Non, elle s'en fout. Bon, là, on est même pas sur. Là, on connaît tout ça quoi. Alors, on copie un peu les infos. C'est les nouvelles routes et tout ça. Oh, il y a des petits. Non, non, c'est pas ça. On voulait prendre. Tu vois, dès que j'ouvre un truc, c'est terrible. C'est terrible quand même. Dave, devine qui sort avec Débile la semaine prochaine. Non, pas ce débile de Steve, mais ton pote Ron.
Je suis allé voir le nouveau guetteur, celui de Two Forks, et je l'ai entendu marmonner, c'était un peu bizarre. Alors j'ai préféré garder mes distances. Tu te souviens quand t'as vu le guetteur de Chimay Rock qui se tripotait dans son hamac? Je commence à croire que le service des forêts n'attire que les dérangés et les pervers. Enfin, à part nous, bien sûr. On est la crème de la crème. Allez, buvons à la santé de Deb. Ron. Mais l'autre, il répond jamais. Est-ce que c'est un des deux weirdos? De l'argile fossilisée? Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? Oh, really? Je la redépose, hein. Ah, belle pierre. Hein. Tu vois, ces moments-là sont quand même assez délicats en. En expérience. Peut-être pour les flous. Un carambite. Bon, attendez, on est où là? Je sens bien. Là, je vais au nord. Mais là, y'a rien. Moi, j'aime bien explorer. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but je suis mystérieux. I'm a bit of an outlier. We don't really need to talk about this stuff. Me raconte pas ta vie. Well, what would you prefer? Literally anything. Do you want to know about the homeopathic remedy for yeast infections I came up with? Je te file un mode homéopathique que j'ai trouvé contre les mycoses. Par contre, c'est dur de tout check et tout lire. Sachant que je suis pas bilingue non plus, donc je suis obligé de lire certains moments. Enfin, bien sûr, je comprends tout, mais je me mets surtout à la place de des non-bilingues. Oh, j'ai cru qu'il y avait un petit puits, là. On est obligé de repasser là. Parfait. Parfait, petite escalade. Gérée. Merci de penser à nous, demi la divinité. J'essaie d'être bon envers vous. À faire lever son cul de sa chaise, c'est pas le toquet. Ah bah, tu veux que je lui dise? Ah, pas le toquet. Moi, j'aurais réagi à pas le toquet direct. Hein. Mais vraiment, c'est juste ça, je suis trop con. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this. Moi, je trouve elle prend beaucoup la confiance. Hein. Je suis là pour faire une mission. Hein. Je suis pas là pour la draguer. Hein. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Ok, on va chercher des infos dans le coin qu'elles auraient pu laisser. Qu'est-ce que ferait une jeune fille bourrée qui techniquement... Ah non, ça c'est juste un... Elle serait pas partie par là. Qu'est-ce qu'elles auraient pu faire? Acheter des trucs? Faire pipi? Ouais, mais j'ai pas... Je peux peut-être pas renifler tous les arbres. Non, c'est bon. Ça a peut-être été étrange et un peu long. Oh! Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'était un papillon. Oh, on est dedans. On est dedans, là. Bah, je sais pas trop, moi. J'explore, je me balade, je regarde. Ils vont pas faire une cabane, quand même. Prends un peu de hauteur. Après, elles sont peut-être parties. Parce que là, on connaît. Ensuite, il y a la route. Moi, je pense qu'on les tient bientôt, là. Une pensée pour la tortue asphyxiée. Mais elle est là juste pour me tchatcher. Hein. Je sais pas si elle est taf. Hein. Je cherchais un poste comme celui-là. Enfin, je suis vraiment le mec mystérieux. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau de bois. What happened last summer that accounted for this windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Ah oui. Yellowstone is like what? Oh, la musique, bien. Why would they do that? C'est quoi ça?
Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. Si, si, j'en ai entendu, mais je suis sur une piste. The entire park was gone. Dan Rather telling the country fumez, that fumez. Reagan didn't care on the nightly news. And what the hell's he gonna do? Poussez-vous, 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 il y a de la... So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. Elle parle beaucoup, c'est dur de tout lire. I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. J'ai 30 cents de plus pour l'heure pour empêcher un nouveau fiasco. Ah ouais, faut pas que ça crame, c'est pour ça que je suis là aussi, j'imagine. Oh. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Je peux tout faire. Hein. Oh, yeah, tu me dis, moi, je peux tout faire. Elle y croit pas, comprendre. Déjà, cette descente en rappel est sublime. Magnifique. Boum. Hop. Clac. Petit regard gauche. Petit regard droite. On est bien. Mais j'étais passé là, non? Ah, j'étais passé là, non? Mais me parle pas de ma relation, me parle pas de ma relation. Becca, une veuve dont le mari de jockey s'est fait piétiner. Merde. It wasn't anyone's fault. You know, neither of us boned the neighbor. Y'a pas de tromperie ici. We just couldn't be together anymore. Oh, je lui dis tout, je lui dis tout. Stop, 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 elle en veut trop, elle en veut trop. Trois petits points. It's behind you now. Hopefully it makes you feel like anything is possible. Oh, je les ai, je les ai, je les ai. Aouh! Arrêtez ça! Une invocation chamane. Ils sont au-dessus. Elles sont là, 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 elles sont juste au-dessus. I see a really thin plume of smoke. Je la vois, je la vois. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either je vais monter par là. Campfire. Campfire. Un feu de camp. Bah là, c'est un peu plus que fin là. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards 5 miles, trouvez la source de la fumée. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Oh, je les tiens, je les tiens, je les tiens là. Elles peuvent plus rien faire. La traque commence. C'est une course. Je suis juste en course là. Hein. Ni plus ni moins. Clac, c'est une esquive. Putain, mais c'est vraiment des connes. Hein. Parce que déjà, qu'elles faisaient nimp. En fait, elles sont restées à côté du lac, quoi, depuis le début. Ils étaient là tout à l'heure. Est-ce que je peux aller chercher la radio que j'ai laissée la dernière fois, s'il vous plaît, j'ai pollué. Alors, je voudrais me repentir, monseigneur. Oh, j'ai pollué, monseigneur. Ah, il faisait froid, j'avais peur, et j'ai pollué, je dois vous l'avouer, monseigneur. On est bloqué. Ah, juste en face, je peux pas passer par l'eau. Pourquoi il y a des petits points? Elle était pas biodégradable? C'est vrai, mais chopé par le callback, vain dieu. Moi, je suis chaud d'y aller à la nage. Oh, elle me casse les couilles, ma psy, là. Tu veux bien arrêter, là? Ça, c'est cool qu'il propose une option comme ça, tu sais, pour la calmer un peu. Alors, hein? Tu m'as fait me tromper de chemin! I am happy to hear about the birds, the chance of lightning, whatever weird shit you've got going on, but can we please not talk about me? Je suis quelqu'un de sensible. Sure.
Oh non, laissez-moi escalader, s'il vous plaît. Oh non, me dites pas que j'ai fait tout ça pour me retrouver sur un truc où je peux pas escalader derrière. Oh, c'est terrible. Oh, vous faites beaucoup du mal à... Le feu est indiqué sur la carte. Alors, on a un doute dans toute cette région, bien évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va longer la zone B4. En attendant, vraiment important, la relation que tu crées avec la meuf, c'est aussi tout l'intérêt du game. Bah, laisse-moi avoir ma relation qui est permise par le jeu en plus, non? Enfin... Je sais pas comment expliquer. Ah là, c'était là où il y avait le... C'était pas une critique négative. Non, je comprends, frérot. Non, mais je comprends. Mais c'est... Enfin... J'ai compris, c'est le but du jeu, quoi. Tu sais, ça me gave... Enfin, c'est pas que ça me gave qu'une meuf me parle, mais c'est cool que du coup... Je sais pas quoi te dire, en fait. Mais c'est gentil. J'ai senti que ça partait du positif. Même point que tout à l'heure. Ah, mais on va pouvoir prendre un peu plus bas. Parce que cette fois-ci, on a de la corde. On a de la corde infinie. Et ça, c'est sacrément cool. J'aime bien, je trouve ça apaisant. Même si je me perds et tout, c'est cool. Oh. Ah non, ça a mis le point d'attache. Ça a zoomé le point d'attache. Ah oui, tout là-haut. Ah non, là, il est en fait. On n'a pas déjà fait ça. Ah non, ça, on pouvait pas, du coup. Et là, c'est parfait, ça va nous permettre de passer juste ici. Super. Non, moi, j'aime bien, tu vois. Je pense, en forêt, je ferais exactement pareil. Je me perdrais. Peut-être que je vais aller me perdre dans une forêt. Non, mais... Ou alors je fais des ronds pour pas me perdre. Je pense que je ferais ça. La dernière fois que j'ai fait une balade en forêt, je faisais ça. Je me suis pris un peu pour un aventurier, puis au final, je faisais les mêmes trucs. En me disant, au moins, je sais ce qui se passe. Y'a pas de doute. Oh là, c'est du beau, là. Petite sauvegarde. Ouais, peut-être petite sauvegarde. C'est bien vu, ça. C'est, ah, parce qu'on peut save... c'est bien vu, ouais. S'il y a des, s'il y a des doutes... Je me suis déjà perdu en forêt, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est peut-être mieux juste dit comme ça quand on est chez nous. Merci Extero, c'est Flo Gamer pour les primes. Désolé, je lis pas trop les... quand je suis... Alors c'est vrai qu'on dirait que je suis tête en l'air, hein, mais je suis... Là, je suis à fond. Hein. Là, vous avez la version de moi où je suis à fond. Hein. Je suis à 85%. Je l'ai pas encore terminé. Mais... c'est vrai que comme j'ai pas d'alerte sonore, parce que je trouve parfois les alertes sonores dans les lives, c'est quand même très très prenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu regardes même un live, une VOD, t'as pas envie d'avoir toutes les deux secondes. Gling gling! Gling gling! Et du coup, je suis désolé, je vous mets peut-être pas beaucoup en avant, mais merci pour le soutien. Sub ou resub. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, missing person. Mitch! Oh, le bon vieux Mitch. Ah bah, Mitch, il ressemblait au mec qui était bizarre. Et qui me checkait. Et il y a des ours. Oh, c'est bien. En tout cas, ça frise pas trop quand on est près d'un... Il suffit d'avoir le sens de l'orientation, te faire au marqueur et toujours regarder où est le soleil. C'est pas pour moi les balades. Un organisme racinaire? Non. Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Ah, petit ruisseau que je vais suivre. Putain, ça me fait grave penser à... Alors que c'est pas du tout la même gueule d'arbre, mais au Seigneur des Anneaux. Et quand j'avais vu ça, là, je sais plus comment il s'appelle, moi je suis nul dans les noms. Mais aux arbres vivants, là. Oh. Un peu fourbe, hein. Mais sympa, le concept. Ah, des Ents. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, sympa, le bon concept. Elle est où la fufu, là? Oh, petite balade. Petit terrain de foot. Petit terrain de foot improvisé. Alors, je suis où, là? Ah bah, je suis là où il faut, hein. Il faut qu'on traverse, mais je crois que je peux longer. Petite cascade.
Je me fonds dans la... Ces filles adorent se baigner à poil, je mettrai ma main à couper qu'elles sont pas loin. Yo! Le pervers est là, les filles! Y'a quelqu'un dans cette foutue cascade, y'a personne. Attends, est-ce que je m'éloigne là de la zone? On peut remonter sans pour elles, elles sont au fire camp. Elles sont au fire camp. C'est là où j'ai fêté mon diplôme. On a été gradués, on a fait une grosse fête. Malheureusement, départ de feu. On était pas... Non, on me dit pas que ça frise au moment où je les vois. Ah. Mais elles sont parties là. C'est incroyable. J'aurais peut-être pas dû éteindre le feu si je devais pas... Si elle devait pas me voir. I have entered the teen zone. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, I've je vais signer tous les magazines. What on earth are you... Ouais, je comprends. Désolé, j'étais un peu dans mon truc là. C'est quelqu'un là? Ça fait une sieste? Ah, en fait, on peut regarder de l'autre côté. Your tent looks like it's been through the shredder. Ah, mais il y a déjà quelqu'un qui a déchiqueté. C'est pas vraiment un... Oh. Y'a un mot. Cher psychopathe, j'espère que t'es content de toi, on s'en va. Mais on va prévenir la police que tu as essayé de nous faire peur près du lac et que tu as détruit notre camp et toutes nos affaires. Oh, et voler des culottes, c'est dégueu. T'es peut-être un assassin arriéré armé d'une hache, mais je te garantis que tu vas aller en prison. J'espère que ça valait le coup de nous prendre la tête pour nos feux d'artifice, connard. Bon alors du coup, ça c'est nous en première partie, et c'est vrai, il est vrai. J'ai mis une petite culotte de côté de sécu, pour la tortue, juste pour l'habiller, pour la mettre bien. Mais du coup le reste, ça doit être l'autre, ça doit être le mec qu'on a vu. Donc il doit y avoir un mec chelou parce que c'est lui là qui s'est pris pour un ours. Oui. Henry. Oh non, j'ai lâché. C'est pas moi le violeur, je te promets. Delilah, je te jure. Ne sois pas ridicule. Je suis juste en enquête. Look, I just came out here to sit in a tower, all right? Not get into some mess with a bunch of co-eds. It's fine. They're gone? Yeah, they're gone. But you should see this place. It's just it's weird. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not. Ah, elle va me demander de rentrer à mon taf, enfin. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Qu'est-ce que je fais du coup? Ah ouais, c'était sûr. J'allais être heureusement ça, j'ai pas à revenir à pied. Putain. Bon, c'est qui le mec chelou? Mais le mec chelou, il ressemble au mec qui a disparu hein. Va savoir si c'est juste devenu un ours. Hein. Enfin, tu vois, genre un... Ouais, c'est possible. Hein. C'est une petite proposition. Le gars à la hache, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est le mec qu'on a vu, je pense. Je vais devoir double-cliquer, là. C'est bien. Non, mais c'est bien, parce que ça nous laisse digérer. Ça nous laisse digérer à chaque jour. C'est devenu digérer. C'est la première fois Firewatch pour toi. Ah ouais. Souffle un peu. Grave bien le jeu, dommage qu'il défrise. Le Intel qui mouline. C'est chelou que ça fasse ça, quand même. Tu vois, là, ça consomme en très élevé, mais c'est vrai que c'est particulier, parce que ça a l'air d'être un... Le mec que t'as vu, c'était marqué dans sa lettre qu'il t'avait vu en run, je crois. Non, parce que c'est un autre gars. Ah si, peut-être, si c'est à la même période, mais c'est juste que ça fait longtemps, je crois. On a sauvegardé loin, ou... On le fait à fond, hein, mais c'est un peu chiant, quoi. J'espère qu'on n'a pas sauvegardé tout au très loin. J'ai trouvé un article pour régler les crashs du jeu. Jamais ça peut être ton ordi. Ouais, non, je pense que c'est le... Mais en fait, le truc, c'est que déjà, on a dû lancer sur une version ancienne. Jure, cousin. Bon, ça va, on y est, quoi. Mais je dois me faire une intégrale, quoi. Ça me fait un peu chier, pour être honnête. Site
light, and it looks like they've got a fire. I have entered the teen zone. These girls have a full case of beer left here, a full case. I don't get why the high school is dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Looks like someone left a note. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Je vous le fais en speedrun. J'ai pas éteint. Ça casse le rythme. Ah, un peu là, ouais. Ça va être chiant, ça fait ça à chaque fois, quoi. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can't. T'es bizarre quand même. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. J'ai fait une photo. Ah, elle me crache pas maintenant. Hein. Allez, tu te bats. Tu te bats, mon frérot. Tu te bats, mon fils. Chanceux. Trouver des planches en bois pour boucher la fenêtre. On n'a pas l'intérieur à tout hasard ? Hey Henry ? Ouais ma gueule. Yeah. What do you look like ? Why are you asking ? 1m85. Plutôt pas mal. Bah, c'est bien trois rêves qu'on connaît pas. Enfin si, le frère jumeau de Tom Cruise mais en beau. Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5 foot nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. Avec mes jumelles, je peux juste voir que t'es un type en short. By the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. Salut, ouais, c'est vrai que je suis un bap tout, ouais. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Des Bermudas. Je mets beaucoup de Bermudas. Des smoking. Pff, voilà. Genre je connais. Oh, really? How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. Peak of high society. Good to know, Dale, yes. Now tell me about your face. I'm looking at you. Mais t'es en train de te toucher ou quoi là? What do I see? Genre j'ai une barbe épaisse. Pretty thick. Belle beubard. Oh, have you always had a beard? Récemment. Yeah. Non, récemment, lui ment pas quand même. Perfect. On a encore des trous dans la barbe, on la bosse. Eyes. Mes yeux? Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Elle dessine, mais c'est, okay. c'est Julia qui dessinait. Ah mais Delilah, c'est Julia dans une autre personnalité. Bon, moi j'ai bouché la fenêtre. Froid. Oh, je me prends pour quelqu'un là. J'adore les huskies. Quand ils sont petits, ils ont une fleur de lys ici. Je veux un husky. Oh loulou! Window is all patched up. So what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Excuse-moi. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you. Une mission. Ouais. Of course. On veut des missions. Ah bah ouais. Really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Oh. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Oh. Quoi? Ah oui, OK, c'est pas journalier. Enfin si, mais on se comprend. Petit reboot de jeu ? J'imagine. Non mais c'est infernal. C'est vraiment une expérience que je vis, quoi. Et là, du coup, ça va pas save ?
Oh non, 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 vas-y. Je tente un truc. Ça n'a pas marché. Ça va être cool notre VOD. Oh, les gens subissent. Le VOD, ça va, parce que les gens peuvent passer. Ce jeu de 4 heures qui va durer 8 heures. Oh! Hello, Henry. Having a nice afternoon. Ça a marché, mon truc. Ouais, super. Moi, je me fais un petit déj comme ça avec un coucher de soleil. Enfin, un petit goûter. I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported. Ah bah, c'est elle qu'on a vue. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person. Numéro 1. Bien vu tout le monde. Va falloir me faire penser à save. Ah, c'est bien, on vit l'expérience de la galère. Je veux bien qu'on m'interroge. Direct, on se back. Premier taf, on va pas me faire croire que... Ouais, peut-être, hein. Peut-être, ça va peut-être faire chelou. Ouais. J'ai des gros doigts, hein. J'ai des doigts potelés. Jour 15. Je suis capable à tout moment de faire avancer le... Henry, ils connaissent maintenant, ils vont plus me faire chier, je pense. Oula, 4h du mat, il y a un mec dans ma chambre. Ah mais j'ai encore ça? Il a enlevé les... Get out of bed and pick up the radio. Genre, il est dans ma tête ou quoi? What do you want? Hey, you big dumb idiot. Quoi? C'est mon ex? Hein? Hi, Jules. Mais elle est en Australie? Oh, you sound tired. Enfin, c'est pas mon ex, c'est ma femme, mais qui est... On sait pas trop. Elle est parce qu'elle est un peu fou parfois, mais pourquoi c'est l'autre qui me dit ça? Je vais bien et toi? On va pas l'inquiéter, c'est elle qui est pas bien dans sa tête, on va pas commencer à lui parler de nous dans le souci, nous. Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Sans la perturbation, moi. T'as cru qu'on se... Okay, Jules. C'est quoi ces cons? Ça fait 5 mois qu'on sait pas parler. Mm-hmm. Sure. Et genre, je suis un enculé aussi. C'est tout? C'est ma contribution en couple? Ah, je suis léger, hein. Je suis léger, là. Il y a la famille qui est repartie l'emmener en Australie. Parce qu'ils trouvaient ça un peu louche, ils ont retrouvé la maison totalement morte, elle m'appelle. Or qu'elle est totalement fucked up, et moi je suis en mode, bon, tu me casses un peu les couilles, quoi. Mais c'est un talkie-walkie, c'est pas un téléphone, comment ils font pour mettre en... Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and... Supply drop, je connais déjà parce que j'ai déjà Je connais toute la forêt. Hop hop hop. 6 pruneaux par jour, elle doit passer du temps à chier. J'adore les pruneaux, mais il faut savoir fixer une limite. Hein. Oh, je connais, c'est ma forêt. Ah super, hein. Merci pour l'anecdote. How do you know that name? I haven't said anything about Julia. Bah si, elle m'a passé Julia, non? Au téléphone. Is there something going on that I don't know about? Oh, du coup, on en profite pour ça, c'est pas mal. What? No. Look, a couple of weeks ago, you called me in the middle of the night and you were talking in your sleep, I guess. I only heard the name Julia, so I figured I'd ask. Ah, OK, c'est moi, c'était un rêve. Ça, c'est le 35e jour, faut commencer à lui parler un peu. Bien vu. Bah, t'es pas le seul, hein. Bah non, c'est pas comme si je l'avais trompé, juste elle va pas bien. T'as pas pu faire quelque chose d'aussi grave, même si c'est le cas, c'est du passé. Ah, je lui dis tout. Still alive, she's being taken care of back in Australia, because that's where she's from. An Aussie?
She's there. Oh my God, Henry. Oh, tu me casses un peu les couilles avec tes mots croisés. Voilà, Delilah. I'm so sorry. Je t'en veux pas. Yeah. Parce que c'est moi le monstre? Ok. Non, ça va. Ouais, je suis en full hike là. C'est là, non? Avec le truc vert là. Le supply drop. Y'a quoi dans le drop? Found the supplies. Oh, good. Oh cool. Enjoy. To force. Ah, je vais les déposer à tout le monde? Je dois faire quoi? Merde. Marché Vanor pour récupérer des provisions. Ah, mais c'est que pour moi? Terminé journée. Ah, je prends. J'aurais pu le ramener, ça me fait un petit taf. Bienvenue la Horde, merci beaucoup. Merci les Caons et Fallout Extreme pour leur sub. Jour 64. Death Stranding tier. Bon, après, ça a l'air de durer moins longtemps. Pire est parti. non, mais en fait, c'est pas le même jeu. Oh non. Oh que non. Ah, oh, vous mourrez pas. Hein. Pas sur le jour du Pays Basque. Oh, le full feu! Tu es aux premières loges, je pense qu'il sera peut-être le plus grand incendie. Oh, je prends des trucs. Je parais qu'il va durer tout le reste de l'été. Je peux rien faire? Petite photo. Pardon, tu m'as dit quoi? Désolé, je suis en full artiste là. Tiens, je sais pas ce que tu m'as dit, j'étais en photo moi. Ah oui, le grand feu, c'est le grand feu. Et j'en discute comme c'était une œuvre d'art là, le truc. Il n'y a pas des canadaires là? Beau ciel. Ah bah ouais, clairement. Hein. Quand t'as pas d'inspi, c'est toujours solide, hein. What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. Fais ça, toi? And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. Et genre, tu veux faire quoi, pisser dessus? Bah, je sais pas, prévenir des pompiers. Si j'étais avec toi. Ça drague. Ça drague. Sorti de nulle part. De mystérieux à gros dragueur. C'est vrai que c'est beau. Hein. Ouais. L'artiste. Bah, on partage des moments. Pourquoi tu dis ça? Dis-le! Il finit le jeu là? Yeah, I think so. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Je parle pas aux autres guetteurs autant qu'à toi et pas de la même manière. Tu dis ça à tout le monde et lui là. Je sais que tu n'es pas vraiment disponible, mais je voulais que tu saches, ça pourrait être sympa de se voir à la fin de l'été. Delilah, je ne ressemble à rien. Je suis un cadavre, Delilah. Je t'ai menti tout le long. J'ai violé les deux étudiantes, Delilah. Ni même d'en parler, c'est juste une idée comme ça, j'ai envie d'être avec toi. Oh lolo. J'ai une femme, je te laisse galérer. Je t'ai chauffé, je te laisse galérer. Allez, tu comptes. Ah ouais, carrément, là, ça part en sexto, là. Ah oui, ça la chauffe, les incendies. Oh la fouine, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment? Ouais? Moi, je veux bien.
Ok. Pourquoi pas? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que c'était bien. T'es bipolaire, gros. Je suis mystérieux. J'ai une pépé manga sur Twitter. Tout se passe bien. Je contrôle le flux. Je contrôle le flux. Le flux est contrôlé. L'hiver. Le vent souffle. Au loin, les loups. Quelque chose bouge entre deux sapins. Peut-être quelqu'un. Oh non! Normalement, il y a un cheat code qui est activé. Ah, je le sentais bien, là, revenir, là. Je le sentais bien revenir, là. Tout à l'heure, ça avait marché. Putain, c'est dingue, hein. C'est Julia qui m'a raboute le jeu, là. Ah, mais je devais me refaire le truc. On refait les mêmes choix, hein, sinon c'est naze. On refait tout pareil. C'est bien parce que on n'aime pas spécialement faire deux fois un jeu, mais là, on a la chance de pouvoir vraiment le voir en profondeur, ce jeu. Vivre la scène, la revivre, l'intensité est-elle la même? L'angle de vue, je vais peut-être vous mettre un autre angle de vue. Oh, putain. D'ici, c'est magnifique. Sublime, excusez-moi. Ah, je refais tout pareil, accélère. J'ai un super angle de photo là. Magnifique avec ça, en long. Magnifique. Oh là, on sent, on voit le magma là. On sait ce que tu vas finir par dire. On se le refait. Non, personne part. Hein. Les gens revivent le moment. Je vous aime. On va nous parler de sa bouteille d'eau. Hein. Je prends en photo mes pieds, moi, pendant ce temps. Pardon. Il faut se souvenir des choix qu'on a fait. Excusez-moi, j'ai fait. Si, je suis en full. Je regarde. Oh, le chien. Non, je regarde pas. Oui, si, tu regardes, je regarde aussi. Ah ouais, non, il est impressionnant. Ouais, tout à fait. Tout pareil. Tout pareil. Merde. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est ça. Je me souviens de... On veut pas que ça réarrive. Allez, encore la même histoire. On en pense quoi de son choix des mots? Agressif dans la séduction, fantasmé comme relation peut-être aussi. Elle la veut. Ouais, on a un expert hein, sur le chat. On l'a fait galérer. Irréel. Emma, un avis féminin qui nous plaît. Et là, on lui dit... Qu'est-ce qu'on peut faire, mais tout en sauvegardant? What can we do? Well,
Jour 76. Boum. Ça n'aura rien changé. Est-ce qu'on va passer le jour 76? Oh, je vois déjà les gens sur YouTube qui vont être en mode... Pfff. Ah, je suis venu voir un let's play, on a pas des bugs. Mais ces gens-là sont déjà partis. Il y aura plus que les vrais. Qui ont su, qui maintenant veulent l'histoire. Non, me dis pas que ça recrash. Frérot, il y a un moment où, s'il te plaît, laisse-moi juste jouer quand même. J'ai investi. Je me suis donné dans cette aventure. Moi aussi, je lui parle à Delilah tous les jours. Elle me raconte sa vie, là. Je commence à rien avoir à foutre, là, des marquages dans les arbres, là. C'est très difficile, le jour 76. Save into crash. Après, peut-être que attendre maintenant... Pas ouf. Bah, après, on va revenir. Voilà, là, il va y avoir les... La première vague. Ceux qui auraient pris le premier bateau sur le Titanic, qui auraient poussé les autres. Hop, boum. C'est dommage, Zera l'a fait il y a 3 ans, ça buguait pas. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait une mage. Ils ont fait une mage pour les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin dans le jeu, donc... je devienne fou, moi, personnellement. Il fallait attendre. Moi, je pense que ça crachait, là. Je pense que quoi qu'il arrive, on reste là, tu vois. What can we do? Je vous le fais en fenêtré, celle-là. Vous pouvez estimer le nombre de viewers qu'on sera à la fin de ce live. Pas facile, hein. Elle est technique, celle-là. Et boum, canne à pêche. It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got. Petite save. To eat. Well, I won't tell anyone you're a poacher. Pêcher un poisson. I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? Lac Genésie, je dois aller au nord-ouest. Parfait. I think sometimes it riles up the wildlife. Chercher des traces d'ours. Parce que problématique est un euphémisme. Oh ! Un petit raton laveur. Parti. Attends, mon coucoucou était bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé assez plaisant. Ah non, là, c'est mauvais endroit, là. Au moment où on a vu le raton laveur. C'est vrai que raton laveur, ça doit être agressif, hein. Oh oui, ça fait longtemps. Ah non. Un bon bug caillou, là. J'aurais aimé un bug caillou. Voilà, je vous le dis. Fallait photo. Ah putain, je pense pas à ça. Ah, je vis le moment présent, quoi. Je suis bien là? Je suis magnifique. Ah, le lac, on commence à le connaître. Hein. On va chercher des traces d'ours, donc. Mais... Parce que là, j'ai une canne à pêche, mais j'ai pas un truc un peu tranquillisant, si jamais l'ours... genre, est là. Oh. Oh non. Ouh, on a eu peur. On m'appelle? Bloc-note. What the... I found a clipboard down here and I there's something strange. Biggest fire on. Viewer, really going. At the lake? What's up? Quelqu'un nous a entendu? Someone has written down what we said to each other. Feelings for 2 hours. That doesn't make any sense. Rainbow I don't strikes. Talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Henry, I'm worried. Je gère la situation. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Regardless, just let me know, okay? Bye. Oh. Le bruit était encore bon pourtant. Henry, are you there? In trouble. Trouble. What happened, Henry? I got hit in the head. Ah, ils sont pas hyper polis dans le coin. Are you serious? What the hell is going on? Je crois que c'était un ours. Et ils étaient trois. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? Oh putain. It's gone along with a radio of theirs.
Il est con, il aurait dû prendre ma radio aussi. Ah bah non, parce qu'il est sur notre fréquence. De toute façon, il nous entend là. What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. Non, c'est juste au nord. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. En loose day? Ça a été traduit loose day, c'est incroyable. Des gens nous écoutent. Point. On change de fréquence. On change de fréquence. J'ai commencé à regarder partout maintenant. Oh, le loose day m'a buté là. Bah ouais, mais bon, c'est moi qui suis sur le terrain, toi. Attends, l'autre, elle est en train de se toucher à distance. Ça va, hein, mollo, hein, chacun son taf. Hein. What's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Ferme un peu ta gueule, 2 secondes, Delilah. Ron, j'ai une mauvaise nouvelle de la maison. J'espère qu'ils me laisseront partir un moment. Mais bon, c'est pas sûr vu les budgets alloués. Ah mais 86, ça s'est passé, non? Ah non, c'est maintenant. Tu as eu mon message sur ce qui s'est passé à Wapiti. Le shérif est pas très content, mais je sais pas trop. J'en ai peut-être trop fait. Dommage que tu sois pas là, tu as dû être retenu quelque part, Dave. Amigos, c'est de l'espagnol et professionnaliste de l'italien. Ah ouais, Ron, c'est vraiment le tocard. Mais du coup, c'est... Quatrième domaine, ouais, sympa, bon livre. What the hell do you think is going on at this place? Apparently a lot of following you around taking notes, which is unfucking believable, Henry. Yeah, you're telling me. All right, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. Bon, je te retrouve. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. Ah non, mais ça va me mener à rien si je vais à gauche, là. Si je traverse la rivière, faut que je longe à droite. Ok. Oui, petite save. Très bien vu. Agréable, cette save, d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle met du baume au cœur, je trouve. Ah, j'attache la corde. T'inquiète, ça fait pas 10 minutes qu'on te le dit, frérot. Ouais, mais... On bug dans les jours. Donc je pense... Elle est très belle, en effet, bien effectuée. Ah non, mais je... Il y en a des... Tu sais, on les sent un peu forcés, on les sent contraintes. Là, vraiment, il y a de l'avancée, quoi. Oh. Ça a save en plus, là, à nouveau. Il va se passer quelque chose. 10 minutes, on spam, mec. Désolé d'être en pleine immersion. Je m'en excuse. Voilà, c'est très simple. Hein. C'est un... Il y a de la clôture, là. On m'a pas dit ça, moi. Big chain link fence between me and the meadow. I don't think I can get past it. A fence? Looks like goddamn Area 51. Whoa. Maybe they've got aliens. Whoa. That'd be exciting. Je vais débrouiller là. We'll see about that. Passer la barrière. Comment ça? Ah là, je vois quelque chose là. Pardon. Poussez-vous, monsieur l'arbre. Je sens que c'est un peu fragile à des endroits. C'est-à-dire, passer la barrière, vous êtes mignon. Bon, la clôture... Déjà, on voit que c'est pas une clôture électrifiée, ce qui est un très bon point pour l'avancée des choses. Bien sûr, on fait attention, 18 US code. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose de privé. Oh, il force. Vous êtes dur, on entend encore. Vous êtes en... Ah ouais, vous étiez dur là-dessus, là. And what are the odds they left the gate unlocked? Ah, c'était dur. Hello, I'd imagine. Bon, on va finir le live là-dessus, du coup. Au 652e coup, normalement, ça passe. On va être sûr, quand même.
Non, ça passe pas. Pierre branlante. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Je suis vraiment un homme d'action. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Ah non, ça a pas marché. There's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. Chercher des feux contrôlés au sud de la rivière Ruby. C'est quoi la rivière Ruby là? Quoi? Faut que j'aille tout là-bas? Au sud de la rivière Ruby, mais. Mais vous savez pas que j'ai pas. Déjà, je vais save. Mais je pars en footing, hein. Allez, ça prépare le marathon. Moi, je suis sur un double souffle en course. Je sais pas pour vous. Tyrolienne, non, elle marche pas, la tyrolienne. Non, je fais ça. Je descends, ouais, je fais... Et boum, ça monte. La même. Double mort en course, double aussi. Pas bien. 1-1, perso. Comme ça... T'as un rythme, hein, toi. Je sais pas de combien tu cours, mais... Normalement, c'est double inspiration, simple expiration. Octo-souffle. Vous êtes con. Ouais, je fais ça. Après, généralement, j'ai pas un truc à mater. Non, mais en plus, je suis con, parce que là, j'ai juste à suivre le sud, sud-ouest, ensuite, je prends à droite, enfin, on commence à connaître. Hein. Allez, on y va. Clac. Direct. Le chemin est tracé. Petit buisson, virage gauche, 80. Allez, on continue, on est bien. On est sur des bons temps. Tout droit, 250 mètres, droite. Ça part. Attention, gravier. Gauche. Magnifique. Ça continue. On voit quelqu'un? Ok, pas du tout, c'est une feuille. On met de l'intensité à ce stream. Comment est-ce que je peux atteindre là? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Oh. Là, je pense... Eh. Oh non, je voulais le faire à... Je voulais le faire à... À une nu. Je voulais le faire sans checker. Moi, j'ai pas de check. J'irai par là, moi. J'irai par là. Je descends. Ensuite, on sera bloqué, mais on a une autre corde. Magnifique, magnifique. Camille, c'est Camille qui est responsable save, hein, de son côté. Personne dit save, y a que Camille. Camille Tia Dubavi, qui va gérer la save. Tu nous dis quand save au bon moment. Je vous demanderai tout le monde de respecter le rôle de Camille, d'accord? De ne pas surpasser Camille, sinon bien sûr il y aura des sanctions qui seront prises. Et Camille, tu vas devoir être juste dans les choix de save. Pas trop de save, bien sûr. On veut de la save agréable, de la save réconfortante. Grosse responsabilité, Camille. Hein. Camille, la divinité. Alors, je ne vous autoriserai pas à l'appeler la divinité, sachant que ce titre est déjà occupé. C'est la sous-divinité. Pas d'inspi. C'est tout. On check, hein, de temps en temps. Bah, rien. Ça fait toujours plaisir. Ah, j'avais pas dit qu'il y avait un truc de personne disparue, là. Je transpire un peu. J'étais pas mis bien, en plus, avec sous-divinité. Camille l'apôtre. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Merde. You really didn't like that guy, did you? I don't know. Ah, mais c'est ça la Ruby là. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. Ah, parce que tu fais quoi? Who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Je bug un peu, mais c'est pour laisser du temps à Camille. Hein.
So... Je suis là, non? Your radio's supposed to be in the river. I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. So, did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Excusez-moi, souci d'orientation. Je vais regarder la carte maintenant. On annule les à l'œil. On annule. Elle va nous parler un peu pendant ce temps. Le col est lancé, bien sûr. Camille, après, revenir à l'endroit où j'étais avant était peut-être mieux, sachant que j'ai bugué. Tu pouvais pas anticiper, Camille, mais... Attention. T'es mon apôtre, Camille. Mais j'espère que tu n'es pas Judas. Je vous laisse un peu le temps. Tranquille, pas d'appel. Bien. On débrief ça intérieurement. Quoi ? Pourquoi il a des emojis comme si on était sur Messenger en 2008, lui ? Enfin, MSN ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on remonte. On escalade, on lui fait faire du sport. J'ai imposé. Oh, j'ai de baobab, j'avais même pas vu. Bon, il est mou là, hein, sur la remontée. Hein. Là, il y a quelqu'un juste là. Ça, c'est le cauchemar, ça, je pense. T'es attendu là, le mec te marche sur les mains. T'envoies un petit whiz. Oh, les whiz. Pas du tout. Dommage. Ça aurait pu. Moi, j'ai décidé d'y aller à l'impro maintenant. Cringe, pas cringe, j'ai décidé de m'en battre les couilles. Voilà, c'est lui. Est-ce que les guetteurs disent la vérité? Pas loin, il y a quelque chose. Un mec qui prend des notes, je sais pas comment te dire. Un moment, bon... Ça a l'air de pas la surprendre, elle aussi. Bon, calme-toi. J'ai coupé la radio, là. J'ai l'impression, là. Voilà, je suis dans la bonne route, là. À propos de ma radio, d'ailleurs. Il a pas pris ma radio, le gars. Ah non. Putain. Se mettre sur notre fréquence? Maybe intercepting our frequency. C'est pas mal quand tu dis un truc et que le jeu te le propose. C'est plaisant. Henry, on est sur une fréquence privée, Henry. T'es con ou quoi, Henry? Yeah, well, you sound worried. Il y a un rituel sataniste ici, je sais pas si on doit en parler, mais... Merci, mon apôtre. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Ah, ok, c'est des rites de soins, pas mal. I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. C'est tout là-bas. Je vais essayer d'aller au sud, mais je pense que ça va être bloqué peut-être. Ah, y a du feu ici, hein. Parce que t'as peur. Ok, on a un nouveau chemin. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Maintenant, comment je fais? J'ai peur de me faire cogner derrière la tête. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. C'est le jeu sorti il y a quelques années, ouais. Are you serious? Oh, come on, that one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Someone gets fired.
Eh ouais. Nous virer, c'est pas fou, hein, jeu de mots. Bon, alors ils me disent d'aller où, là? Ça me fait peur, il y a full bruit. Sud-est. Parfait. Pile là où j'allais. Génial. Allez, on repart en petit souffle. On est bloqué. En sud puis est. Ah, on y retourne. Salut Asensio. C'est que ça, là. C'est un ski? Il y a un ski? Il y a de la neige, là? Ah, il y avait jamais de neige ici. Très mignon, par contre, hein, ces petites fleurs et tout. Gros arbre. Mais gros ski, surtout. Ski ne choque personne. Gros arbre. On l'a sur la map, le gros arbre? On l'a sur la map, le gros arbre. Incroyable. Du coup, faut qu'on aille à l'est. Continue. Dong, 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 dong. Rakov, merci beaucoup pour le prime, bienvenue. Il y avait un dialogue, non, je ne l'ai pas vu, je crois. Je crois qu'on y est bientôt, là. Terre légèrement brûlée. 90 degrés. Petite feuille. Et c'est une station de ski ou quoi? Motoneige. Snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Parce que ça s'appelle la mare au cochon. Oh! Petite entrée, là. Quand un rapad. On y est. Attends, je vais zoomer un peu pour faire vraiment une meilleure photo. Petite save, ouais. Petite save, agréable. J'aurais apprécié qu'on entre dedans, peut-être, Camille, tu vois, pour te... mais agréable, Camille. Hop. Je peux pas escalader. Oh, si c'est bon. Très belle save. Très, très belle save. J'aurais été présomptueux d'aller dedans. Très, très belle save, Camille. Une save d'expérience. Une save de... a vécu l'enfer, tu vois. On le sent, ça. On le sent dans le vécu, dans le ressenti, dans le pré-shot. C'est très beau. Something about men organizing boys around their ideals never sat right with me. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Alors je suis où là? Ah, il faut que je remonte. Nord-ouest. Pile là où je vais. Allez hop, petite foulée. Petite foulée pour savoir si on peut passer par-dessus. Merci patron. Ah ici, il y a un saut à faire. Ah ici, il y a clairement un saut. Moi, je le prends. Ok. Je le prends pas. Et qu'est-ce qu'on va faire, là, du coup? On le prend là? Ah là, il y a un truc cassé, là. Il y a un autre pont. La musique est bien. Là, y a rien, j'ai loupé un truc du coup. Tocardinho. Peut-être que j'accroche une corde. Là, y a... l'arbre ici, il est ingérable. Y a un truc de hache ici, mais c'est genre le mec est passé là. Il faudrait que je jette des cailloux ici pour faire tomber l'arbre. Mon expérience vous le dit. Que vous pensez que je peux monter au fond? Parce que sinon je vois pas trop de trucs. Parce que l'arbre là a l'air quand même sacrément tentant. Mais j'ai l'impression que t'es dans le jeu, tu peux pas trop monter sur tout ce qui est un peu oblique. Tu vois là, on aurait pu penser que c'était un chemin de... Mais non.
faire tomber un arbre avec des cailloux. Faut être très précis, hein. C'est clair qu'il faut être très très précis, hein. On dirait une... C'est une sale racine, ça. Bon, il y a deux arbres qui se ressemblent. Trouver des pompiers dans l'ancien camp scout. Bah, je sais pas où passer, moi. Peut-être de l'autre côté, hein. Tout en bas, là. J'ai longé que dans ce sens. Bah, ici, peut-être. Ah bah ouais. Juste là, ça passait. Oh, c'est risqué de ouf, hein. Le mec est sur une fougère. Jamais je saute là-dessus. C'est une fougère qui pourrait ne pas être une fougère. Oh, c'est... C'est très, très border, hein. Et là, je tape là. Abattre. Ah bah, j'ai pas de hache. Je peux pas lui mettre des coups d'épaule, genre? Non. Il y a peut-être une hache ici. Parce que je sens qu'il va falloir repasser à un moment. Quoi qu'il arrive, pour retourner de l'autre côté, il nous faudra une hache. Je lui dis même pas que je suis passé de l'autre côté, là. Non, je lui dis rien. Oh, ça sent la hache, là. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. Ouais, ça fait quelque temps qu'ils sont pas là, quoi. Oh, le piège à ours. There are bear traps out here in the scout shelter. Ah ouais, faut faire gaffe là. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Bon, là, ça va être Ah là, il y a du truc là. Les pompiers sont partis. Allez, pour moi, non. Pas maintenant. Oh. Je pense qu'on n'a jamais eu un... Je peux couper ? Oh non, j'avais trop envie de couper. Juste un arbre, pour le plaisir. Hey D, they left something behind. It's like a memo from their... Chef d'escouade, Grant Carson. 10 août 89, équipe d'experts interagence du Wyoming, district des Rangers de Pentrock, 1220 North 8th Street, Grey Bull, que des chiffres et les trucs qui font chier. Dr. Simon Sawapiti Station, région de Torofar. Chef d'escouade Carson, dans les prochains jours, vous et votre équipe serez largués dans la région de Torofar. Torofar, dans la forêt nationale de Shoshone, afin d'aménager une tranchée par feu au sud de la Ruby River. Toujours plus. Je vous ai écrit de la part du docteur Ben Simmons de Wapiti Station. Il a pris contact avec mon supérieur car il craignait que son site de recherche ne soit la proie des flammes. Dès votre retour, son bureau vous contactera pour mettre en place une évaluation des risques d'incendie dans la région. Je leur ai dit qu'il n'avait rien à craindre car les pare-feux de votre équipe sont de loin la meilleure mesure de prévention et de protection de leur site, même s'ils se trouveront à plus de 2 km. Mais j'imagine qu'ils doivent tenir compte des inquiétudes manifestées par leurs assureurs. Encore merci de votre aide. Rich Slurarenko, chef assistant. Boss. Did say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Et ils font user quoi, là? Concrètement, les pompiers, là, c'était un... Ouais. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Fuck that. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I've got an axe. Let's figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and... Keep an eye out for anyone following you. Je pense pas que quelqu'un me suive et j'ai une hache maintenant. Je dois retourner à Wapiti Mido ? Ah, c'est fini les moments où...
Attends, c'est où Petit Mido là déjà? Ah, c'est au Petit Station, on est d'accord. Hein. Ah ouais, bah si, c'est ce qu'on vient de découvrir. Je suis con. Pardon. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed, or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Quoi? Quoi? Did you just cough? No. Did you just cough? No. Ah bah il est sur la ligne quoi. Fuck. There isn't any way someone like another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Oh, c'est creepy. Get in your tower. Shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? Attends, j'ouvre une boîte de matériel. Oh, oh, ça va crash. Oh, j'ai passé juste avant. Pour moi, elle est louche, elle. Grakov, merci pour le prime. Save. Ah, dommage, Camille, dommage. Elle vient un peu tard. Elle vient un peu tard, mais... La boss, Camille, a le timing. Ah ouais, mais là... Moi, j'ai 5-6 secondes de délai. Hein. Elle avait dit avant. Ouais, mais... Je suis viré. Non, Camille. Non, parce qu'en vrai, j'ai save juste avant. Le jeu est creepy. Hein. Oh, quelle épreuve, n'empêche tous les crashs, là. Faut prendre en compte le délai. Putain. Go Windows. Non, mais je pense que Windows changera rien. Ça me fait peur, là. Au final, elle est où la balade paisible qu'elle m'a vendue? Oh, bah là, il n'y a plus rien qui est comme c'était dit. Oh, quel pseudo. Merci pour le troisième mois, quand même. Merci, Srimanit, pour le cinquième. Non, le jeu est trop bien. Le jeu est vraiment incroyable. Elias, merci pour le troisième mois. En vrai, les crash donnent du charme au jeu. En vrai, ça va, on est juste à côté. On est juste à côté, on se le refait juste parce que c'était fort. C'était fort comme moment, quand même. Camille nous a mis bien avec sa pré-save. Mais elle pensait qu'on n'allait pas rentrer. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but God, if you saw what you did. Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can and on rush. Keep an eye out for anyone following you. Je ne crois pas que tu es le genre de bug, tu es le seul que je connais. Bon, sur les forums et tout, ça a l'air d'être assez assez big quand même. Let's hear it. Je gratte un max de temps. Yeah. Pré-save. Pré-save. Forte la pré-save. On gratte, on gratte. Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Magnifique. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Lettre aux pompiers. Chef d'escouade Carson, dans les prochains jours, votre équipe sera larguée dans la région de Taofa. Attends, mais ça, je pense que je le lirai plus tard. Parce que là, ça va me faire tège. Ouais. Non, on a une bonne save, là. Ça charge. Ça bloque. Ça bloque. Mais là, c'est le contre-blocage. Je touche à rien. Je décide de rien toucher. Les saves sont un peu forcés. J'en ai forcé quelques-unes, mais au moins, on est bien.
Thoroughfare Tower. This is Two Forks calling you for the... Excuse-moi, qu'est-ce que t'as? Time today. Qu'est-ce que t'as sur les jambes? Excuse-moi, j'ai pas bien vu. C'est une varicelle ou c'est des poils? Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Un guépard, le gars? Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? On est quel jour, là? Pourquoi es-tu si gay? Ah ouais, on est le lendemain. Oh, c'est moi! Je suis un bûcheron! Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Mais elle est chelou, hein, elle, hein. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Je l'ai. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Elle est chelou. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Il y a une photo d'elle derrière. Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row? C'est moi. From the left? Ouais, je le vois. Non. Bah non. Bah stop. Ah, sure. Merci. It's the No. You don't need to tell me. Just C'est un grand arbre, il y a une zone qui porte le nom de cet arbre dans ton cercle. And there's an area called that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Je dois aller à Cottonwood? Ou à... Oh non, 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 non! Oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Mais c'est elle qui m'envoie dans des endroits où l'autre radio va savoir où je suis. Comment ça va, toi, ma pote? Elle est chelou, hein. Cottonwood Creek, j'en reviens. Bon, t'as de la chance, c'est pas très très loin. Mais quand même, boire une petite gorgée de whisky, moi. Allez hop. On est parti. Justement, elle code les messages. Ah ouais, parce qu'elle sait que du coup, le gars va là. Mais en fait, elle m'a dit le deuxième arbre, mais lui aussi, il a peut-être l'affiche de la flore. S'il est lui aussi un peu chelou, il connaît peut-être à force. Ah, mais c'est pas mal. Elle veut savoir justement si c'est un gars qui est dans le game des gardes forestiers. S'il est dans le game des gardes forestiers, il connaîtra et il aura le truc. Je fais quoi, un full sud là? Ouais, je nous propose un full sud suivi d'un ouest au final. Voilà, rien non plus... Rien non plus terrible. Belle. Sécu. Chips et moula. Raphaël aussi, merci pour les ressables, les potes. Merde. Ouais, c'est bien là. Non, parce que depuis que j'y suis allé en solo, moi, je fais plus du tout confiance. Hein. Je confiance comme ma bonne vieille boussole. Sans elle, j'aurais jamais survécu. On connaît pas trop ici, hein. C'est chiant qu'on découvre, même. Comment ça s'est ouvert, ça? C'est le truc que j'avais fait la dernière fois. Je suis passé par là. Hop. Hop, c'est un QTE. C'est pas facile, celui-là. J'ai vu des streamers le louper. Hop, on va prendre un peu d'élan. Ok, je reclique, parfait. Hop, et le dernier. Magnifique. Nice. Pas facile, celui-là. Hein. C'est une des difficultés du jeu. Oh, the big fire isn't going anywhere, huh? That's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. Bon alors lire. Si seulement les autorités pouvaient nous obtenir des radios moins à chier. Mais on avait un autre truc la dernière fois. En général, je me tiens à l'écriture. Mais ça serait chouette de pouvoir te joindre directement de temps en temps. Ma sœur arrête pas de me laisser des messages au bureau principal, mais je crois qu'elle a pas compris que j'avais accepté ce poste pour m'éloigner un peu d'elle et de ma mère. Ça fait un petit moment que je suis là à réfléchir à quoi lui dire, mais j'ai surtout descendu un quart de ma bouteille de fif. Tu me manques, Dave. Gonna try to put it out? On avait du PQ, mais ça me fait peur là. J'ai l'impression que quelqu'un va me suivre. J'ai pas envie que quelqu'un me suive, moi. Tu refais le même truc des pompiers. Y'a un bruit! Hmm.
C'est moi ? Je dois aller où ? Merde. Je dois aller à l'ouest. Je repasse, mais de l'autre côté, je vais passer derrière le caillou. Ça met un peu de distance avec l'homme. Il y a le bruit partout. Peut-être moi. Hein. C'est étonnant. Hein. Osterman, merci pour le Prime. Oh, ça save naturellement. Là. C'est vrai qu'il est beau l'arbre. Hein. Cottonwood. C'est un Pupolus, ça. On l'apprend, on l'appelle plus comme ça, hein, mais. Fais de la pêche. I'm here at Cottonwood. Bah, elle le dit pas, c'était tout le truc crypté. Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Mais du coup, elle y va aussi, elle, c'est ça que je comprends pas. I was in a rush. On se voit jamais. Bon, elle est où cette putain de boîte ? Elle me fait chier, elle. Cache. Mais on se croise jamais alors qu'elle vient aussi ? Merde, elle a donné le code ? 4, 5, 6 ? Non, 5, 6, 7, 8 ?5, 6, 7, 8, ouais. Parce que là, je vous avais pas, genre, je passais 5 heures dessus. Je suis foutu où ? Je suis débile. Je l'ai pas vu. Elle est plus là, hein. Ah, je suis passé devant. Ah non, c'était derrière un petit buisson. Petit buisson. Petit buisson. Mais elle m'a mis quoi dedans ? Elle m'a mis une nouvelle radio, je pense. Okay, si elle est pas conne. Elle m'a fait ça pour qu'on puisse se parler d'une autre manière. Et on va découvrir une radio rouge, comme celle qu'on a récupérée, et ça va être un peu louche. Je vous fais des théories, moi. J'aime bien. Ah, c'est une blanche. Nouvelle Game Boy. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Putain. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Ok, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Hein, tu vas me dire ça maintenant ? I don't know. Hein, tu vas vite me dire. Our radios are tapped, are you fucking serious ? Ça, on avait compris ça, frérot. Il est abruti ou quoi ? Ça fait 4 jours qu'on a compris. How is this even possible ? I don't know, Henry. What do you know ? I know that I'm scared. None of it makes any sense. Ah, les autres guetteurs, j'aurais dû demander. I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. 13 ans, putain. Jackson a couple times down in Wind River, and nothing like this has ever happened before. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? Oh, no, this fair. Is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. J'en ai parlé au guetteur. I tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Mais il va me décrocher. Je suis sûr il va me décrocher. Je veux pas qu'il me décroche. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Am I just making all of this up? I mean the eavesdropping, the spying, is this fuck, are you is any of this real? What?
Are you serious? Ouais, j'ai peur de perdre la boule, là. Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. Maybe it's happening to me. And oh non, là, tu passes pour un con, là. Out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water or our condo was underneath. Oh non, là, y a craquage, là, frérot. Allez, on se reprend, hein. On se met une petite claque. You, ça arrive à tout le monde. Petit coup de mou. Normal. Henry. On a commencé la cure de vitamine C, elle n'est pas encore effective. Ok. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. Ok. I'm on your side. J'ai pris un sweetie qui m'a mis bien. Ok, re. I'm alright. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Très rapide, hein, cette pause. On force un peu, mais c'est bien, là, je pense. Hein, on n'a pas envie de tout se refaire. Hein. Hey. J'ai oublié, non? I just thought of something not, not great. Quoi? Mon ex est fou, en fait. Mon ex, je me tue depuis 20 ans. Je viens de classer un rapport qui stipule qu'aucun des deux ne nous a jamais vus, ni parlé aux campeuses qui ont disparu il y a quelques semaines. C'est vrai que... So, I'm sorry, I'm not following you. Henry, our radios were tapped the entire time we talked about it. Ah putain, c'est vrai que... Oh. Oh, depuis le début, on nous entend et on peut nous faire porter le chapeau. And now, someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. J'ai classé un rapport mensonger. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Oh là là. Ah, j'aurais mis un coup dans le cadenas, moi. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. J'aime bien. Oh. J'ai l'impression que quelqu'un va venir derrière moi. J'ai pas envie de ça. Lire. Je vous essaie de joindre le Dr Simmons. Il sera sur site du 15 août au 15 octobre. L'équipement de l'université est sous la responsabilité du Dr Johnson. L'équipement du gouvernement est sous la supervision de Kat Ferdinand. N'oubliez pas que la zone est contrôlée et qu'il faut signaler immédiatement tout problème, dysfonctionnement ou infraction. Ah, oh, je me suis fait piquer. Okay. Is that it? Ah, c'est déjà pas mal, hein. Ah, c'était pas agréable. Okay, I'm sorry. Oh, bisous guérisseur. Allez. C'est vrai que c'est bisous magique. C'est pas des mots que je prononce beaucoup, mais du coup, bisous guérisseur, c'est vrai que je me suis dit, c'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est radioactif? Si on peut me dire quelque chose sur Tchernobyl? Ok, je suis à la site. Je ne vois personne autour. Lucky pour nous. Yeah, lucky pour nous. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. Putain, il m'a fait trop peur. Il y a un mec dans le chat qui a dit à un mec, ça m'a fait trop peur. Big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. Nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Oh non. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Ah, je dois inspecter? Oh, j'aime pas trop, hein. Y'a rien, c'est bon. Wow, zone 51. This is it. Oh, je mets un coup. Moi, j'ai envie de me cacher, là. Je suis pas très courageux comme mec, hein. Oh lolo, mais attends, il y a des expériences, là. Il y a le truc de loin, on dirait le truc de Star Wars, là, qui marche. Peut-être pas aller dans le truc. Quelqu'un? C'est un cadavre. Je sens le cadavre. I'm in their main tent. What's it like? It's... Definitely some sort of monitoring station. Pas de cadavre. Just
Sens, faut que je sente. Dans le thermos, il y a peut-être un peu de café. Ça va me venir dans le dos. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone ah, was vrai. In a rush or knocked a bunch of stuff. Faut que je pense à mon Instagram. En faire une un peu plus large. C'est important. Merci. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. There's some sort of monitor. J'ai peur de me retourner alors que c'est pas un jeu d'horreur. Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. C'est chiant quand même tous ces lags. Possible. This is crazy. Okay. Shit. Got another clipboard here that confirms that they're tracking our movements. The log they've got tracks the movement of four subjects. Départ fréquent de la zone de Two Forks. Comportement d'esquive, consulter les données précédentes. Désir copulatoire non partagé. Conflit avec les autres mâles. Mais je suis un animal dans un zoo. Consommation de nourriture disproportionnée. Et si je suis chaud, juste je la laisse un peu galérer, mais... You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Je vais le garder. They've got a map with all sorts of paths and areas marked out on it. Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe, it's possible, right? Là, faut que je sois prêt à me taper, là. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. Je souffite. Tiens, un connard. Oh, je sais pas quoi faire, les chaussettes. C'est quoi ça? Oh. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Ah, ça, je comprends. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. Y'a personne. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. There's a... box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to ça it. Ça dit quoi là? Que c'est que ça? Comment je me dirige? Now they're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Who knows what else they're up to? Y'a plein de bips. And there is all sorts of Clémence. And shit out here. Oh, j'ai cru qu'il y a quelqu'un en haut. Mais les bips, ils viennent de là-bas, là. Oh. Et c'est dans la tente. Oh, pour le suspense. Oh, boîte noire. Je pense que quelqu'un va me frapper dans le dos. Henri M et Delilah. On a trouvé. Tenwick. Aperçu du statistique, 43 ans, Delilah. Elle ne avait pas tout dit. Une semaine. Année. Bon, ça fait des années qu'elle se fait suivre, elle. Fiable malgré son alcoolisme. Observatrice, charismatique, égocentrique. Perception faussée de son histoire personnelle. N'a jamais été mariée, pas d'enfant. Ne marche ou quitte les environs que très rarement.
plusieurs amants malgré un partenaire durable de Ravière. Susceptibilité à la manipulation 3. Fin de transmission du serveur. EG. Folder of reports here. What do they say? Their assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Attends, bah stuff I didn't tell you. This is What does it say about me? You said there was one. Attends, tais-toi. J'ai 39 ans. Explorateur complet, sentier au sentier, s'énerve facilement, passif, coupable, direct, réservé. Le sujet engage la conversation avec son superviseur. La confiance doit encore être attestée scientifiquement. Tous les signes semblent indiquer une coopération totale. Le sujet est peut-être conscient du test. Nous suggérons d'abandonner si le sujet décide de quitter son poste. 9. Susceptibilité à la manipulation. About me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? Oui. You have a boyfriend, Javier? Ah, j'ai des frissons. What the fuck? Wish you hadn't left that out. I don't. I didn't. This is insane. I'm so sick of letting these people do this to us. Je fais quoi? We should just burn the place down. Think about it. Peut-être qu'elle est folle. Worst case scenario. Delilah. What? Think about it. En même temps, ils me suivent. I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? On s'en bat les couilles de la montagne. Hein. We call it in. We call it in. Yeah. Maybe. Non mais c'est vrai que c'est intéressant, je vais peut-être tout casser, je peux pas tout casser à la main. Maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, so fucking wound up. It's all right. I'm just gonna hike back. Bon, après, ils peuvent plus nous traquer. Hein. Putain. Putain, c'est Dr. Simon, c'est. Quelqu'un va me sauter dessus, je le sens. J'ai pas envie de rentrer. Vous pouvez pas me ramener là, mettre jour 150 ? Un camion là. Non. Oh, oh non, il va y... Oh, pourquoi je suis comme ça là? Allez. Henry, I think there is smoke coming from north of Jonesy Lake. That is suspiciously close to where you just were. Do you see it? Jesus, okay, yeah, I see it. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Je sais pas, meuf, hein. Vas-y, bouge ton cul, ça fait 13 ans que t'es là. Parle-nous aussi un moment. C'est vrai. Il y a full feu, hein. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Connasse. Get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. S'il te plaît. Je veux qu'on ait un plaisir continu. S'il te plaît. Un peu de plaisir continu. S'il te plaît, on est vraiment dedans. Plaisir continu. Pas de plaisir continu. Hein. Ah, ils nous prennent à la nuque. Hein. Ne clique pas. Non, mais j'ai essayé déjà, mais... Camille, elle est se coucher. Elle nous a rien dit. Putain. Monsieur Fat Panda, merci. Non, mais j'avais fermé il n'y a pas si longtemps, donc on va pas tous refaire. C'est tellement bien ce live. Ah. Non mais c'est ouf là, mais ça nous sort un peu du truc, ça fait redescendre mon stress. Fermer le programme, annuler. Non mais c'est en boucle, frérot. Camille est au goulag. Camille a été goulagued. Ah, je savais pas que j'avais un tel impact. Hein. Henry, I think there is smoke coming from north of Jonesy Lake.
That is suspiciously close to where you just were. Do you see it? Jesus. Okay. Bon, ça va, on est juste à côté en vrai. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. Je vais leur dire la même chose. What do we do? Ah non, j'avais save là. I don't know. I have no idea what to do. We have a fire burning in the woods. The one thing I know how to respond to, and all this shit has me wondering what the hell to do. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. Well, we're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. La save est sublime. Mais vas-y, juste enchaîne quoi. S'il te plaît, on kiffe de ouf le jeu. Ah parfait. Putain, c'est incroyable, imaginez c'était ça de A à Z. La save, ouais merci, merci, je sais que... Je vais essayer culotter cette save. Ouais, elle est osée mais elle nous fait utiliser. Qu'est-ce qui se passe? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno. Oh, mais toi, t'es totalement alcoolique, toi. Are you drunk? No, I am getting drunk. C'est ta vie, ça? Hey, Dee, I don't want to. Attends, tu dois me sortir de là. Moi, je suis entre quatre feux. Et... Maybe that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harsh in my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. Ouais, c'est vraiment abruti, là. We were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Je suis pas du tout dedans, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. I'll just leave you alone with whatever. Vas-y, envoie le truc de signal, là. Oh. C'est par là. Ici. Faut que je descende. Comment je descends ici là? Putain, je fais tout le tour. Ah, j'arrive, je dois faire le tour. Là et à gauche. Oh là là. Oh lolo. Oh lolo. Oh un loup-garou. Oh. Non. Je suis là. Oh oh. Oh. Faut que je me retourne. Ouh, tout va bien. Des petites clés. Dee, I found some sort of supply bag, light. Pardon. Camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Mais ils le posent, yeah, pour m'attirer. Fine. C'est ouf. Ils sont dans ma tête. There's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. Ah, je pense qu'on nous l'a posé, hein, frérot. Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think. Bah, je vais y aller, hein, ensemble. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. Domi pose pipi de 30 secondes. Est-ce qu'il y a un besoin massif ou pas? Si pas besoin massif, on continue. You. It is not. Il y a un mec dans mon poste? Oh my god, go. I'm going. Oh, je vais le fumer.
Attends. Je vais le fumer. Pas de pipi. Oh le Joe. Oh, j'ai les loups avec moi. Là-haut, là-haut, là-haut. Oh, ça va, save. Oh, j'arrive brutal. Déterminé. Oh, j'ai pas la hauteur. Fortnite. I don't see anyone up. Elle est bourrée ou quoi? She was just there. Youhou. Il est caché. Dans le toit. Dans le faux toit. Non, rien. Ils m'ont mis un Walkman. Il y avait quelqu'un. Bonsoir, Henri. Ils nous entendent même quand ils pensent pas nous entendre. Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. Ah bah si si. Hein. Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Je comprends. Oh là. Vache, la save, j'y ai pas pensé, je suis désolé. Ça va crash, on connaît. On connaît, je dis ça, j'espère juste que ça crash pas. Je touche à rien, je compte jusqu'à... Oh oh là là, la rumeur se répand et tout. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know or that I'm an arsonist or that I'm pipi à la fin de le discours. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night. So, someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's. Je vais aller dans la grotte hein. Je commence à bien l'aimer de Delilah. J'y vais. Je vais aller dans la grotte. Find some fucking answers. When they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Messieurs, dames, je suis très rapide pour faire pipi. Je vous souhaite tous bon courage. On se retrouve là et on va dans la grotte. A tout de suite. Tiens, ça fait longtemps. On verra combien ça rapporte une pub. Pas si rapide que ça en fait. Heureux. Ah, vous étiez nombreux. Hein. Vous êtes nombreux à être partis pisser. Marmotte, merci pour le deuxième mois. Alors, c'était pour le bien de la commu. Bien vu. Bon call. Je re-save, on sait jamais. Ok. Donc, on part. Il faut qu'on serre les coudes.
On part dans la grotte, savoir ce qui se passe dans cette grotte. Ah, et là, c'est Brumland. Truc se délave de plus en plus, là. Bon, attends, c'est où? C'est nord. Putain, ils ont vraiment une boussole améliorée. C'est nord-est. Je sais jamais. Porte bonheur. C'est là ? Non, c'est bon. Je suis en full à quoi ? J'ai voulu me dépêcher, je me suis éclaté le genou sur le coin d'un meuble. C'est bien. J'aime bien ces streams comme ça là, où on fait un jeu, on vit une expérience de A à Z en une soirée. J'aime bien les jeux comme ça qui... Enfin, je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais là ça doit faire, je sais pas, 3 heures, quelque chose comme ça. Bon, alors à ma manière et avec mes bugs, hein, mais... Ok. Sans bug. Ah, sans bug, c'est mieux, mais bon, on vit quelque chose, quoi. On a tous les mêmes soucis. T'es pas avec tes potes qui, tu sais, genre, sont sur Discord, t'es le seul à avoir un souci. Ah, elle se pose grave des questions, elle se pose grave des questions, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes, elle pense que je l'ai trahi potentiellement, comme on a des doutes sur elle de ouf, hein. Et c'est limite bien qu'elle pense. Je ne pourrais pas... Mais non, je... No way, they're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not true. Je suis dans la cave. Thanks, Henry. J'arrive dans la cave. Mon petit cœur. Belle ambiance dans cette cave. Ça fait rêver, hein. Ah, les grottes, les caves, c'est vrai que c'est spécial, hein. C'est pas un truc de prédilection, quoi. Mais sur un canapé avec un petit plaid à la limite, bon, ouais. La grotte rocailleuse quand il y a... Quoi ? C'est con ça, j'ai l'impression que c'est con ce que je suis en train de faire. Éboulement. Je passe là ou je chute ? Ah bah je peux pas. Oh putain, en plus les voisins font tomber des trucs. Ouais, bien vu ça. J'avais oublié qu'on avait des soucis de PC là. Enfin, de jeu. C'est pas mon PC en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Pour voir un peu, juste pour se situer. On capte encore là? Ok, on est en plein cœur du truc. Beau saut. C'est bien que tu me parles un peu, Delilah là. Merci Sosei pour la pause pipi. Oh! Une chaussure! Oh bah c'est l'erreur ça. Ah, j'ai plus de réseau, je suis con, je suis dans une grotte. Enfin pas de réseau parce que c'est pas... On se comprend. Ça impressionne. Vraiment la phobie quoi, que le mec t'attende au moment où tu es en train de te soulever. Oh là là. Ah, je pense qu'il fallait descendre, hein. Je vais juste sortir là. Mais pourquoi je suis allé dans la grotte pour juste sortir? Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus. So you didn't find anything? Bah ouais, j'étais un peu un loser. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. Bah. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can. Ah, attends, j'ai trouvé un truc sympa là. An anchor to use in the spot. La cachette? I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah. He built himself a real castle.
Printer rate, angle control. Magnet hook. Oh le petit dino. Bunch of rocks stacked up, you made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Mais il est parti faire ça. Mais lui, il partait vraiment en guerre, quoi. Pas mal, ça. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. J'ai arrêté la techno, j'ai pas aimé moi, les diodes et tout là. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Ah, je peux retourner avec ça, non? Ah ouais, je peux retourner avec ça. Huh, Brian's... Je m'appelle Brian Godwin. Si vous avez trouvé ce message, c'est qu'il était avec des ancrages. Avec des ancrages, du moins je l'espère. Pour lui rendre un service, il est renvoyé à Brian Godwin par le... Ah ouais, mais lui, il vivait vraiment là en mode, il a créé son truc, quoi. Si vous me notez votre nom et votre adresse, je vous ferai parvenir une récompense. Vous demandez sûrement pourquoi j'ai laissé tout ça ici. Ces affaires sont à mon père. Et je veux pas qu'il les perde. J'en pouvais plus de l'escalade, alors j'ai fait semblant de les perdre. Mais si vous m'aidez à les récupérer, tout le monde sera content. Merci d'avance. La récompense sera conséquente. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. Oh. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and... Je suis avec mon père, à Lander dans le Wisconsin. C'est vraiment sympa. Papa a pêché à un endroit nommé Sinks Canyon. Le Wyoming ressemble beaucoup au Nebraska. Mais quand on s'éloigne un peu, il y a des montagnes et des forêts. Je suis désolé de pas pouvoir tendre votre gazon cet été. Mais j'espère que vous avez trouvé quelqu'un pour le faire à ma place. Pourriez-vous me répondre et dire à mon père quand commence l'école, parce que je crois qu'il n'en sait rien. Votre ami et voisin. Alors je garde tout, hein. Brian. Gladius Silva. Chaotique. Race semi-elf. Classe rôdeur. Pas mal. Bon choix. Niveau 4. Âge 29 ans, taille 1m70. Viril. Truc de geek incompréhensible. Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. Foire scientifique. Comment les radioamateurs peuvent utiliser les météores pour parler aux gens à grande distance? Oh là là, ce sera peut-être une prochaine chronique, ça. Dossier scolaire. Un dossier qui contenait autrefois des documents et des rapports scolaires, sûrement dégradés par Brian Godwin. Ah ouais, le gars, il vivait dans une dimension parallèle, quoi. Il s'est vraiment fait une forteresse un peu flingos, ça, on va pas se mentir, hein, mais... Ah, il dormait là. Ah ouais, le pauvre, quoi. Ah, sympa quand même, hein. Ça fait petite ambiance, quoi. Ah, il est devenu fou, hein. Mais attends, du coup, là. Explorer les profondeurs de la grotte. Et du coup, Ah, je pense que je peux remonter, là. J'ai mis des petits escaliers. J'ai comme l'impression que vous aviez mis des petits escaliers là. Ça me déçoit un peu d'être le seul à penser ça. Refait par la porte. Bon, en fait, la porte est là-haut. Je pense pas que là je puisse escalader, quoi. Ça m'avait plus l'air d'une sortie sans retour. Ouais, un peu, mais peut-être vu qu'ils ont mis ça. Je me dis, il y avait peut-être une logique à ce que... Ouais, non, zéro. On va devoir se faire une intégrale, hein. On est là. Faut que je remonte. Faut que je remonte, que je repasse et que je redescende. Si, si, je pouvais passer derrière la forteresse, mais je pensais qu'il y avait peut-être un chemin pour revenir, mais c'est pas logique dans le jeu, quoi.
busted old toy out here, some sort of electronic game. Oh, je lui dis tout au moins. J'aime bien Pong. Ah, c'est vrai que c'est son à l'ancienne. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ok, pas mal. Et comment ensuite tu réutilises la corde? C'est ça que je comprends pas, parce que là on utilise une corde à chaque fois, quoi. C'est vrai que la lampe est peut-être pas utile. What do you think is in there? Je pense que je vais sûrement me faire tuer. Je veux lui parler sincèrement. On va un peu les mouvoir. They closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? On bat les couilles de moi, l'autre. Oui. Yeah, especially now that I'm thinking about all the fun ways to be killed. I'm sorry. Look, at least whoever locked you in doesn't know you've gotten out. Hopefully you find whatever they're hiding in there and it'll be worth the risk. On sait que la prochaine, hein. La prochaine, elle sera terrible. On n'a jamais été aussi proche de la fin. Et maintenant, encore plus. Ah, mais elle oublie trop de trucs. Ah, les campeuses sont de retour. Ils ont volé le tracteur d'infirmier pour se faire une petite virée dans Everton et elles ont atterri en prison. Dodged a bullet there. Yeah. We've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Bon, je suis dans la grotte, ma gueule. Oh là là. Je suis de retour. Ah, j'ai toujours la clé. Ah, mais on va pas me renfermer. Ah, le coup derrière la tête, là. Jamais. Ça aurait pu. Ça part en rappel. Incroyable popcorn en podcast, on est dans la voiture, on l'écoute, c'est méga clean. Oh, dans un jeu, et Kenny me fait un compliment sur popcorn, quel plaisir. Bon, on est en bas, on n'a jamais été aussi bas là. Merci, Doxor, pour le 15e mois. Petite grotte secrète ici. C'est descendre. C'est utéro, ça. Non, c'est juste... Ah ouais, la musique et tout. Putain, la musique est vraiment bien dans le jeu, en plus. Oh, j'espère que ça fait pas peur. Je pense que ça fait pas peur. Le gado... Putain, ils vont me faire croire que c'est moi là. Ouais, ça se revend, ça. Oh. Ah ouais, putain, tous ces trucs de télécommunication pour finir comme ça. Un pas, une save. Hein. Oh là là, mais c'est quand qui me... C'est qui les fous là? Les scientifiques, c'est le gouvernement? Ça va, ils regardent ce live?
Je sors par où, là? Oh, on va me marcher sur les pieds. Je le sens, ils vont être en haut. Tout va bien. Ils sont pas en haut. Oh, attends. Faut que je descende. Faut que je fasse une photo. Faut que je fasse une photo, sinon on va m'accuser de faire des trucs chelous. Parce que j'ai tout un reportage photo, c'est ça qui va me permettre de me défendre. Oh non. Oh, c'est bon, j'ai pu passer. Même si ça avait l'air buggé. Oh, j'ai l'appareil en main. Tu n'es pas Logan Paul. Non, mais je vais peut-être pas le partager sur Twitter. D'ailleurs, très très belle photo hein, de Clément et moi sur PA.Domingo sur Instagram. Entre deux photos de cadavres. C'est marrant, c'est un resave dans notre centre. Il a bougé là. Bon, ça ira comme photo, hein. On peut en faire trop. C'est pas un peu bizarre de prendre la photo du corps? Bah non, c'est pour signaler, quoi. C'est pour signaler, si jamais, pour les flics ou quoi, je sais pas. Svarnon, merci pour le prime. Je sais pas, je suis jamais allé dans une grotte où il y a un cadavre d'un gosse qui est tombé de mort naturelle. Non, j'ai pas pris d'en haut, c'est pas grave. J'aurais pu avoir l'ensemble de la scène. Mais j'imagine qu'on n'est pas non plus dans Véronica Mars, là. Bête de série à l'époque, putain, incroyable. Qu'est-ce que j'aimais, ça. Fou. Incroyable. Bonne vieille, Véronica. Selfie. Qui est tombée de mort naturelle. Ouais, mais on sait pas, tu vois, avec l'ambiance. Là, on sait pas trop ce qu'on va avoir, parce que là, on n'est pas trop en stress, étrangement. Parce que c'est comme si j'étais descendu juste pour voir le corps et en fait c'est bon. Mais alors qu'on est en train de se faire piéger quoi. Par au-dessus, ça veut dire qu'ils attendaient au-dessus en fait la dernière fois. Je ressors par où? Je pouvais sortir par là, non? Je pouvais pas sortir par là, je sors par où? Je ne sais plus où je suis. Qui suis-je? Je sors par où déjà? Non, c'était l'enfer là. Si, là, je saute là. Il y avait la porte? Bah oui, c'est vrai que je pouvais. Je suis con. Non, désolé, je me prends pour Indiana Jones en permanence. C'est vrai qu'il y a la porte. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que la porte, ça me ramenait là-dedans. Ah, parce que je viens d'où, moi? Ah, je viens de là-haut. Ah, mais non, ils viennent pas de là, alors, les mecs qui ont fermé. C'est vrai que c'était quand même plus efficace, ça. C'est vrai que c'était plus efficace. On a failli se prendre la tête, là. Where? Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass. Ah, bah, attends, j'ai... Assieds-toi. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. You gotta be fucking kidding me. How does that... Le gosse. What? I don't... How? Climbing? I think, or made to look like a climbing. Je pense pas qu'ils l'ont tué, hein. Ça m'étonnerait. Je pense que c'était un accident. Je pense que ouais. Je pense que c'est un accident, moi. Oula, c'est... Je suis vraiment désolé. Bah c'est vrai qu'elle a un peu merdé quand même, hein, mais bon. Parce que là, c'est quand même un sale... On va se voir, on va pas se plaire. Fin d'histoire. Prions les dieux.
Gloire au Seigneur. Travail terminé. Non, le double, hein. Ça passera pas. Je tente de cliquer sur rien. La save avait été call. J'ai mis une save, pas trop... Encore du travail? Oh. À chaque fois, il y a un changement d'ambiance. Oh, c'est dommage. Hein. Commence les clics. À un moment, j'ai réussi à m'en sortir. Oui, monseigneur. Tellement les meilleurs bruits. Il aimait pas l'escalade. Ouais, il aimait pas l'escalade, le con. Non, non, mais je pense que c'est le jeu. En fait, c'est juste qu'on m'a fait une version à part, parce que sinon, il se lançait en écran noir. Je pense que le jeu a des soucis. Hein. Il s'est lancé de base en écran noir. On a dû trouver un tips qui faisait que ça se lançait avant. Le jeu... On est vraiment pas loin, en vrai. J'ai hurlé par la fenêtre. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow. Quand on va plus près. Brian n'aimait pas l'escalade. Bah si, il était dedans. Il faisait du... Il disait qu'il avait ses trucs, justement, qui nous écoutent. Oh, il y a tout, là. Ranger les affaires. Il y a des canadaires. Je prends toujours mon papier à chiottes, moi. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the big fire or the site fire or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. Ils vont changer ma chaise. Renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About how... Il y a un mort, on nous surveille. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say. Okay, it's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. Oh non, pas encore. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. C'est où ça? Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Look, if something happens... I'll remember you. I mean, am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Oh, je dois encore aller affronter l'enfer, là? Mais elle se rend compte de ma vie, moi, ou pas? Je dois aller à l'ouest. Allez, on va à l'ouest. Pomme pote, merci beaucoup. Pour le prime. Oh ouais, là, on est en tempête de feu, là. C'est juste franchir, je suis jamais allé au milieu, là, quand même. C'est où, l'ouest? Tout droit, là. Ça a l'air loin. Putain, ça souffle, hein. Ça souffle fort, hein. Pas trop chaud, en plus j'ai pas mis de crème, donc... Je suis trompé d'endroit, en plus, je crois. Elle bouge pas beaucoup son cul, l'autre. Ah bah là, depuis le début, elle est...
Oh l'enfer. What's your status? I think I'm getting close. Je sais pas hein. Alright, well I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. Ah, t'habites où toi? No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. C'est un giga caillou. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Qu'est-ce que je vais trouver là? On sera là-bas après. Ah, on est super loin là. Ah mais je vais... Est-ce que je vais dans le bon sens après pour Attends, bah je peux pas voir. Est-ce que je vais dans le bon sens après? Putain, on va voir Della. J'espère pas être déçu, hein. Tan Grisnir. Merci beaucoup pour le sub aussi. T'es où? Bah, j'ai fait caler à l'ouest et au nord. Donc j'imagine plus haut que le lac. Ok, super. Tu vois, ensuite, je pourrais faire nord par... Je sais pas, mais... C'est là-haut, là. Je me rapproche, hein, je crois. Oh là là. Oh, Henri. Ils me disent de monter. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? Ah, marqué Henri. There's a tracking collar tied to it. Collier, mais je te mate. Oh, ils vont m'attacher avec un truc. Genre autour du cou. Oh my god, Henry. Yeah, hi Henry. Hey, you better find this before it burns up. C'est l'autre qui me tend un piège. On s'est causé beaucoup de problèmes l'un à l'autre. Maintenant, je dois trouver un site similaire à celui que vous avez découvert sous peu. Vous comprendrez en le voyant. Ne m'en veuillez pas d'avoir gardé un œil sur vous depuis que j'ai découvert votre présence en mai près de la grotte, bordel. T'es un fils de pute, Ned. Je suis là depuis 3 ans, je me suis fait un nid douillet. Les hivers sont rudes ici, je suis tombé à court d'olive, mais j'ai bricolé cette antenne. Mais Delilah, elle est plutôt attachante. Je comprends pourquoi Brian l'aimait autant. Comment je prends le collier, là? Mais tu baises ma meuf, là, ou quoi, là? Une semaine environ, j'ai arrêté d'avoir peur que vous découvriez tout. Oui, c'est ça, quand tout a commencé à foirer avec vous deux. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir des enfants, personne ne me comprend. C'est pas la petite maison dans la prairie où tout le monde sourit, non, c'est pas ça du tout. Ah, il a craqué, il a tué son gosse. Maintenant, vous savez que je l'ai pas tué, hein. On faisait de l'escalade, je lui apprenais ce que je sais. Brian ne savait pas faire grand chose de ses 10 doigts. Il a simplement mal fixé son ancrage. Putain, qu'est-ce qu'il a fait? Je voulais revenir à répondre à un tas de questions et le faire inhumer, mais je voyais pas d'intérêt. Ne vous lancez pas à ma recherche, je suis désolé pour votre épouse. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? Je sais pas. It was Ned Goodwin. Ned, c'est le père, ouais. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone, he doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. Holy shit. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Holy shit. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. Erase evidence. Leave no trace. Goodwin was the one who wrote the reports. Putain, c'est lui qui a tout mis du coup. Oh, elle est belle cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez, bien aimé. Brian was a nice looking kid. Yeah.
Petite chirurgie quand même, peut-être à faire, mais... Il a l'air sympa, le gars. Henri. Putain, c'était le tout début. Guilty? Fuck. Pourquoi coupable? Coupable de quoi? Ah, c'était le tout début, ça. Putain, mais quel délire. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. Oh, le mec, c'est un fou. This boombox looks familiar. Là, y'a pas un truc, là? Ah, j'ai même plus la radio dans la main, moi. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know. Ah, je te raconte ce qui se passe, hein, connasse. Hein. On a vécu le truc ensemble, j'aimerais bien qu'on soit jusqu'au bout ensemble. Oh non. Bah pas comme ça. Ah, c'est bon. Middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's going to burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. J'en fous le pic là. Hein. C'est quand même le gars qui nous a espionné. Hein. Je sais pas si on a l'air de s'en battre les couilles, mais l'enjeu est trop élevé. Personne ne croira que Billy est heureux. Rendre D et tout F moins crédible. Tout F, tout fou, comme sa femme, pas un type bien maman grizzly de retour. Il m'a entendu, il croit qu'il y a un programme utilisé ici. Rapport définitif, m'assurer qu'ils vont les trouver. Tout F a failli m'attraper sur le site, les rapports ont fonctionné. Tout F a trouvé des provisions, comment? Clé disparue, il peut pas laisser tout F trouver B. Putain. Et ouais, il voulait pas qu'il trouve son fils tellement il avait honte, quoi. C'est vrai que ça brûle quand même, hein. On va peut-être tout prendre quand même, hein. Je vais se barrer là. C'est vrai que c'est un peu en train de cramer là. He had quite the view. Je crois que je vais crever ici. On se casse. Je peux mettre à la chaise ou pas? Oh, j'aurais kiffé, putain. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Bon, au moins je sais tout. He... God. Oh. Nothing, just... To a rad mega... Rad bad mega dad. Rad, ça veut dire quoi? Holy shit, je dois aller où moi? Marcher vers le nord jusqu'au poste d'observation. Ah ouais, je suis pas à côté là quand même. Hein. Y a pas un passage là, genre ça serait cool un coupe fil. Ah oui, là on est dans. Je vais die. Rad égale cool hype. Ah, je connaissais pas du tout. Radioactif. En plus, je peux pas. Un fast-pass Disney à la place. Excusez-moi. Il y a moyen d'avoir une trottinette. Je pense que le chemin le plus proche, c'est Thunder Canyon. Hein. Passer par là. Hein. Je remonte vers le lac. Hein. Je pense vers le lac. Hein. En cas, je connais en plus. J'y vais. C'est quoi le collier du coup? Je pense que c'est un baudrier, non? Là, c'est là où on était au tout début. Fais une petite save régulière, ok? Genre là, il commence à parler, boum. Mais toi, t'es que en pression, t'as rien vécu là, elle commence à me péter les couilles, elle. On culpabilise pour sa petite gueule là? Mauvais chemin, excusez-moi. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but
Brian couldn't. And how'd that turn out? Il l'a un peu poussé quand même. Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You'll let it go and it'll be okay. Pas les meilleurs conseils, hein. It'll haunt you for a while, but eventually you'll look back and you'll be far enough away to forgive yourself. Justify to myself, maybe. Yeah, well, that's better than nothing. Non, la radio full bug. Cherchons cette code parce que si je parle, ils vont poser des questions sur Ned Godwin. Ah, tu le détestais, ma gueule. Hein. Ils arrivent. S'il y a moyen de m'attendre, je suis chaud. Parce que je suis un peu en train de me perdre en plus. Ouais, je suis un peu en galère là. Je suis là dans 3 minutes, 5 minutes, peut-être 10. Tu vas pas m'attendre. Attends. Just wait, okay? I'm not that far. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Henry, they're here. Mais je m'en bats les couilles, connasse! Je suis en train de bouffer du sable, là! Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. Mais je m'en branle de ta vie! Moi, je vais aller dire que tu l'as tué, hein! C'est ta parole contre la mienne et j'ai les preuves. I'm not far. Ah, elle m'attend. Ah ouais, pfff. Attends, je veux pas te voir, on a vécu des trucs de malade. C'est où déjà, là? Putain, je vais devoir me faire l'intégrale, là. Putain, je suis en full boomer, là. Vas-y, je cours. Pfff. Attends, après, je comprends, elle est encore sous le choc du gosse et tout. Elle avait un pouvoir, elle avait une action à faire, quoi, tu vois. Je crois que ça nous emmène là-bas, là. J'arrive. Pas d'abandon. On se relâche pas au dernier moment. On me lâche pas, je suis là. Oh putain. Non mais du coup, c'était qui les scientifiques là? Le gars a créé des trucs de malade. Je crois que je suis en roue libre là, je suis pas dans le bon coin là. Si, c'est bon. The fuck les voisins. Ah ouais, mais les voisins, c'est une expérience de vie. Hein. C'est pour ça que je peux vous dire que je... Si je reviens sur FM à un moment, il va y avoir mes meilleurs chants. Hein. La musique de Tu vas brûler. Attendez, je me souviens, j'étais passé déjà ici à droite, ça avait pas marché. Faut passer à gauche. On se souvient tout. Elle parle plus. Ah, elle est dans l'hélico, hein. J'arrive. Excusez-moi. Fallait pas que je monte tout en haut, je crois, non? Si, il faut que j'aille à gauche après. Putain. Putain, elle est stylée la musique. J'ai juste envie de me foutre dans le feu là. J'ai aucun sens d'orientation, putain. Ouais. La tortue est sauvée. Enfin, elle est avec moi, normalement, je crois. Ouais, c'est là, là. Peut-être qu'il y avait un meilleur chemin, hein, pour... Oh, je vais la voir. Ce petit, ça a vraiment parsemé notre aventure, hein, ces saves. Plus vite, putain, elle va se barrer. Mais je vais devoir prendre la tyrolienne. Ils vont me dire que la tyrolienne est pétée. Je vais mourir. Je suis mort. La tyrolienne est cassée. Oh, il y avait un truc là. Il y avait un point d'interaction. Ah bah c'est ça en fait. Nice. Ah oh, si, ils m'attendent. Hey, I'm at the
evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Elle s'est barrée. Delilah? Elle a jamais été là, elle s'est barrée. Je vais crever. Je vais 100% crever. Elle a voulu me tuer. Il est où l'hélico? Je suis mort? Oh god, it's a nightmare out there. Elle est plus là? Delilah! Damn it. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Faut que je me barre, non? Help! Can you help me, guys? Hello? Is anybody there? I am dying. Hi. Yeah, it's me. Hein? You're not here. No. Don't be mad. Elle est partie? I'm not mad. I'm just... Si, j'ai le seum. You're just disappointed. Tu me prends pour ta pute, hein? C'est pas comme j'étais ton père et que je t'avais attrapé en train de fumer de l'herbe. Bah ouais, l'hélico s'est barré. Pas une photo de Delia? Est-ce que ça vaut le coup, au moins? C'est elle qui a volé le panneau. On a trouvé un ancien garde forestier qui a tué son fils unique et décidé de vivre en ermite. Oh, le crash de fin de jeu, vous le voyez? Il y a les flics derrière et tout, après c'est peut-être l'ambulance aussi. Parce que c'est intéressant. Putain, cette romance radiophonique quoi. Viens avec moi à Boulder. Le all-in. Non, elle va me dire non. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by. Elle souhaite pas du tout être avec moi, en fait. Okay. So, what about me? Oh, c'est terrible. C'est toi qui avais envie de moi. Je pense que tu devrais aller voir Julia. Je t'attends de voir peut-être utiliser cette machine à écrire. Give me a sexy accent or something if you write about this. Mais elle se croit trop dans je sais pas quoi là. You gotta go see her. Ça répond plus. Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. C'est vrai que j'ai ma femme. Hein. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this. Non, mais elle est forte aussi. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just... Après, on aurait pu se voir aussi, tu casses les couilles, 4 mois à s'appeler tous les jours, là. Elle me dessine, elle se touche en pensant à moi, et ensuite elle me casse les couilles, là. Infernal. J'ai traversé les flammes, moi, pour toi. Hein. J'ai vu les morts. Putain. Tout ça pour me dire d'aller boire une tisane avec ma meuf en Australie qui est totalement folle. Je vais te dénoncer, t'es fini. Toi aussi, tu vas en avoir besoin, en prison là. Elle va me balancer, elle va me détruire. Elle va me faire du mal. Une photo. Quoi ressemblait cette personne? Léchons la poêle. Le gars qui d'un coup sort la pire proposition. Putain, c'est juste notre imaginaire qui va devoir faire le taf. De savoir... qui était cette personne?
On sait qu'on va monter dans l'hélico. Hein. On n'aura rien ici de plus. J'arrive. M'abandonnez pas. On peut plus save. J'espère que ça va pas créer un sale truc. Putain, elle m'a pas attendu quoi. Alors qu'on pouvait vivre un truc cool. ...100% crash. Il va me pousser. J'ai juré, la fin qui crache, elle est meilleure que la vraie fin. Ça finit sur ça? Il restait juste le générique. C'était un peu décevant la fin. Enfin, c'était sympa l'histoire de Ned. Mais on a tellement été. Après, c'est pas le but que ce soit un jeu stressant ou quoi. Qu'est-ce que j'apparais dans ce genre de best-of là? C'est quoi ça? Ah, c'était le poker. Ouais, il est partout, Harry Styles là. Je sais pas pourquoi j'ai dans mes recommandations de partout. Coucou les amis, c'est le Bladar. J'espère. Ben voilà. Ouais, ça finit là-dessus. Se mettre que les images. Et du coup ensuite t'as le... Et ensuite j'imagine que ouais t'as... Y a la fin quoi, ça finit vraiment comme ça. Je m'attendais à un truc de fou. Bon, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je suis un peu déçu de la fin, pour être honnête, parce que je trouvais ça cool, le délire de... Je comprends que c'est difficile de nous la faire rencontrer. Mais une histoire un peu plus folle, peut-être, tu vois, où qu'on comprenne un peu plus. Juste, au final, elle a pas trop envie, elle est perturbée par la mort du petit et par son impact qu'elle a pu avoir. Et comment ça s'appelle ? Et du coup, même sur celui qui nous observait et tous, parce qu'en fait, son fils, on suppose, hein, c'est ma supposition, mais qu'il a eu du coup un accident, il voulait l'amener un peu partout, il voulait le pousser partout et tout. Et il a eu un accident du coup, et il voulait pas que ça se sache, donc il est resté dans les montagnes et il a traqué les gens, quoi.